Hightech, ça me choque. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. On est avec Alex, Zari, Zulu. Non, on est avec Harry Potter apparemment. Mais quoi? J'ai reçu mes lunettes. Alors, elle a fait une photo hier. J'ai reçu mes nouvelles lunettes. Attends, refais. Refais ce que tu sais si bien faire. Je rigole parce qu'en fait, ça me fait penser à ça parce qu'en fait, je sais plus. C'était Honor Ball. Le truc Honor, il y a une. Alors, ça, c'est le truc infâme. Une gaudriole. Non, mais il y a un truc infâme dans Twitter, c'est quand il y a un mec, déjà que tu connais un peu, mais pas vraiment beaucoup, que tu l'as follow pour lui faire plaisir parce qu'il a quelques abos. Bon, je suivais mon regard. Voilà. Et que ce connard like un truc qui pop dans ta TL, c'est le pire truc au monde. Tu sais, les trucs. Genre machin à like et du coup tu le vois sur ta TL. Okay. Et donc en gros il y a quelqu'un, je sais plus qui c'était, qui a like une meuf qui disait putain je la myopie ah oui non, par contre non, mais c'est un peu ça. Non mais là on s'envole. La meuf qui est en mode depuis ce matin ils ont français, je sais pas quoi. Oui oui. En gros, elle fait une photo, genre une photo en mode la myopie m'a attaqué et elle fait une photo. Obligée d'avoir ça, des lunettes. Et elle vient d'avoir des lunettes et on voit son décolleté et tout. Et genre un jour après, elle fait appelez-moi prof de français. Elle est comme ça, elle a quatre photos quatre en mode. Photos, hein. Une mode pute. Je suis en mode. Non mais dis juste regardez mon boule quoi. Enfin, ça sert à rien. T'sais. Regardez en plus, mes ans. Sans gagnons du temps. Tu mets ton doigt, ça passe à travers. Il y a pas de verre, il y a rien. T'sais. Et du coup, ça m'a juste fait penser à ça. Alicia, elle a fait un petit post en mode mes lunettes sont arrivées, waouh! Bah ouais. Comme t'es une Instagrammeuse. Mais tu sais que j'ai failli bégère de ouf parce que je les ai mises. Non, mais en fait, elle était chez l'opticien, elle a mis ses lunettes. C'est mes premières lunettes. Oh, faut que je joue! Et du coup, c'était un temps d'adaptation de bâtard. Et en fait, vu que c'est des lunettes de près pour les écrans et tout, et pour mieux lire et compagnie, même là, j'ai encore du mal. Et je les ai mises, genre je les avais sur le nez, je faisais pas gaffe, tu vois, devant mon PC. Je vais jusqu'à ma cuisine. En fait, à marcher, j'étais en mode le sol tanguait, tu vois. Et j'étais là, pouyo. Genre c'était infâme. En fait, dans ce cas-là, tu fais juste comme ça. Oui, non, mais évidemment que je l'ai fait, connard. C'est vraiment, je vais te mettre une patate. C'était pour que tu le fasses et que on voit l'air con que tu as. Ouais, pour faire une miniade pour toi, pour ton best-of. J'ai déjà le temps de s'habituer quand on le drone. J'ai déjà le drone. Tu utilises les à chaque fois avec des cœurs là. J'ai déjà le drone. Aujourd'hui. Elle me regarde. Alors que Zulu, lui, il reste simple. Un gros chiffre en blanc dégueulasse en comics en MS mais... et sa gueule de merde rouge dégueulasse. C'est pas Alicia, elle me regarde, elle rigole, elle a 100 000 litres dans la culotte. Toujours plus 100 000 litres. C'est chaud là, vite tes couilles, tu m'as saoulé. C'est du caris. Gênant. Du caris. Et alors pourquoi tu cites du caris? Regarde ta gueule de Batou là. Parce que justement, j'écoute du caris. Ouais, ta veste, Xari. Sors les pecs un peu là. Entre qui est le boss. Tu peux me... Voilà, cette cam. Belle veste, boss. Est-ce que je peux être plus rouge? C'est incroyable. Ah, j'ai cru que t'allais dire plus moche. Plus moche, c'est difficile. Mais... Alors que quand tu mets la large... Mais t'en as déjà parlé. Moins ton, rouge. C'est parce que c'est plus loin. Non. De quoi? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste en mode... Oh, bah voilà. Tout de suite l'abus. Mais ta miniature. Ah, les dents jaunes. Ah, c'est horrible. Malade. Et là, tu remets en mode normal et tout le monde se rend compte. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal là. Ah, on rigolait. Mais pour revenir. Non, je te déteste. Alicia fait une Nolwenn Laura, sinon je vais me prendre deux semaines de chat là. Non, on se croirait sur Windows Movie Maker là. Mais parce que Nolwenn Laura, c'est quand Buffy a touché Nolwenn Laura, que Nolwenn Laura a dû dire non, mais c'est mon ami et tout. Et que tu sais que Buffy a pris les foudres de tout le monde. Oui, là, oui. Parce qu'il avait genre regardé les la bornes. Jupe de Nolwenn et qu'il avait dépassé les bornes. Et puis deux mois après, il insulte sa mère de pute. Mais bon. C'est tellement très beau moment de télé. Oui, parce que pendant la fête des mères, il y a eu une émission avec Buffy où il a ramené du coup sa mère. T'as l'extrait? Bah je peux avoir l'extrait. C'est vous allez taper Best of Buffy, c'est dans les derniers. Hein. Parce que je crois que c'est Buffy, mais de toute façon il y en a qu'un. C'est le meilleur de l'info. Taper Best of. Il y en a qu'un qui fait des Best of Buffy de toute façon. Non, il y en a un milliard. Mais un qui les fait bien. L'extrait et on le diffusera, ce sera plus drôle. Non mais moi j'ai des petites infos aussi parce que je travaille avec la femelle qui t'a donné ces lunettes, enfin qui t'a pas donné. Vendu. Hein, voilà. C'était vraiment pas donné du tout. Ouais ouais. Et tu as fait la même chose que Zulu. Oui. Et en fait, je crois que tout le monde fait ça, hein. Donc il y a vraiment un délire sur ça, c'est de Comment ne pas faire confiance à l'opticien. C'est-à-dire quand il te dit, faut pas que tu choisisses ça. Ou faut que tu... Parce qu'elle m'a donné les trucs et je les ai essayés et j'ai juste dit, bah ça, j'aime pas. Certes, mais à un moment, elle t'a dit, alors je sais plus si c'est l'un ou l'autre, parce que j'avoue, je retiens pas par cœur, d'accord. Mais il y avait un truc genre, du doré, ça irait bien ou un truc comme ça. Bah, oui, mais fait, ah non, je veux pas de doré, je déteste ça. Bah ouais, mais je déteste le doré. T'as choisi ça. Et bah, je suis désolée, mais non, alors j'ai dit, je déteste le doré jaune. Non mais on dirait de l'argenté. En fait, elle m'a montré des trucs dorés et c'était genre jaune. Et j'étais là, est-ce que t'as plus moche? Parce que je suis pas sûre. Genre c'était horrible. Les trucs dorés jaunes, je déteste. Très bien, mais on va voir. En tout cas, je me souviens qu'en gros, t'avais goûts, dit quoi. Non, je prendrais jamais ça. Et en fait, on a choisi des dorés. Donc et justement, quand j'ai commandé celle-ci,
j'ai tassé du doré ou du argenté. Elle a dû elle-même vérifier sur l'ordi pour voir que c'était bien écrit doré. Parce que c'est pas du. Elle t'a dit aussi de pas prendre des noms cerclés en dessous. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Et t'as pris des noms cerclés en dessous. Et ouais. Après, c'est vous qui payez, vous faites ce que vous voulez. Mais bah bon. Ouais. La meuf a tendance à choisir des lunettes pour des milliers de personnes. Mais les trucs cerclés. Des fois, ils essayent de vendre un truc super cher aussi. Elle essaye rien, c'est une amie. Elle essaye juste de lui mettre les meilleures lunettes possibles. C'est celle qui avait une monture en dessous, là, c'était rose. Ah ouais, bah c'est classe. Rose, rose pâle, c'est-à-dire que c'était la couleur de ma peau. T'aurais tellement je suis un petit cochon. Donc c'était horrible. Ça faisait genre vraiment, j'avais l'air d'être morte. Je sais pas, je fais confiance à ma femme. Je pense que c'est bien. C'est qu'au niveau des goûts. Il y a les goûts, genre, il n'y a pas à faire confiance. Si t'aimes pas. Oui, mais des fois, il y a un temps d'adaptation. C'est-à-dire que moi, quand elle m'a forcé, littéralement, à prendre ça, j'en voulais pas, gros. J'étais en mode, c'est de la merde, il n'y a que les percées qui sont bien. Et finalement, bah, je m'y suis habitué et maintenant je les porte plus que mes percées parce que j'ai pris l'habitude. Il y a un temps d'adaptation sur plein de trucs. Non, mais il y a un temps d'adaptation, si toi, mais c'est noir. Mais alors, si je t'avais donné ces montures-là, mais qu'elles étaient roses, gros, t'aurais dit non. Enfin, tu sais. Si ça avait été. Oh, bah, non, mais non, mais. La mauvaise. Tu es cisgenre, Max. Ça n'a pas de sens. En gros, t'es juste en train de me dire, si j'avais donné le truc le plus moche de la Terre, tu t'y serais habitué. Non, je suis en train de te dire que si quelqu'un qui est sûr que c'est mieux pour toi. Et que c'est mieux pour mais toi, mais toi, t'en es mais des couleurs, que gros, non. Des, je suis d'accord sur une forme, mais des couleurs. Tu peux pas dire, tu préfères le rose, ferme ta gueule. Enfin, genre, non, la question n'est pas de dire, tu préfères le rose, c'est de dire, ça te va mieux. Et toi, t'as l'impression que non, parce que tu crois que ça te va pas mieux, sauf que c'est une quelqu'un qui a l'habitude. Mais faut que toi, tu t'aimes toi, on s'en fout que les autres y trouvent beau ou pas. Ouais, je te dis, c'est que ça peut te prendre du temps de finir par aimer, mais que tu vas finir par aimer. Attends, moi, j'avais un mec dans mon ancienne école que j'ai faite à Paris. Il y a un mec, il allait voir une conseillère en stylisme, enfin, ou je sais plus quoi, en mon cul sur la com. Genre, la meuf, c'est son métier. Oui, voilà, c'est son métier. Et elle lui a dit garde tes cheveux longs avec une petite. Un truc. Horrible, genre le catogan. Ouais, mais dégueulasse. Et le mec ressemblait au fion d'un hamster. Donc, tu sais, t'as peut-être payé 500 balles pour te faire coiffer, mon gars, mais c'est dégueulasse. Donc, au bout d'un moment. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord quand elle te dit ouais, cette forme-là est plus adaptée à ton visage ou autre, parce qu'elle, elle voit des visages, elle sait ce qui va. Mais une couleur, pour moi, c'est genre, tu vas pas t'habituer à aimer une couleur de mort. Ah, si oui. T'aimes pas la couleur, t'aimes pas la couleur. Possiblement. Je vais pas insister plus, on tombera jamais d'accord. Mais non, mais gros, c'est bon. Pas parce que. Mais c'est même pas. Imagine que. Le rose, par exemple, va hyper bien avec le visage de Hugo. N'importe quoi. Mais juste, il déteste le rose. Il va pas prendre du rose pour faire plaisir aux gens qui le regardent. Il déteste vraiment le rose, en fait. Hein, Hugo. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est son choix. C'est lui qui doit s'aimer lui. Enfin, Moi, ça me fait. C'est beau ce que tu dis. Mais non, mais ça me paraît hyper superficiel de dire ça te va mieux. Du coup, prends ça. Bah, si j'aime pas la couleur. Ah ouais. Ouais, je suis d'accord, mais tu mets aussi des lunettes pour mieux plaire voir. À ceux qui te regardent, tu vois. Bah non, pour mieux voir. Bah, dans ce cas-là, si tu te vois mieux, mais que tu te vois moche, c'est horrible. Pécho, Xari. Pour pécho. Il y a aussi un truc. Tu mets aussi des lunettes pour plaire aux gens qui te regardent. Il y a aussi. Toi, tu la vois pas la couleur. Il y a un fils de pute qui a dit le numéro d'astis de Xari parce que j'ai la pire coupe. Tu l'es. Non, mais il y a aussi un truc que tu prends pas en compte, c'est que. Oui, peut-être que ta femme, elle recommande ça, mais peut-être que si on passe devant 10 opticiennes ou 10 opticiens, ils vont peut-être tous nous proposer un truc différent, parce qu'eux, ils préfèrent ça, eux, ils trouvent ça tendance, ou eux, ils estiment qu'avec notre forme de visage... Après, moi, je suis d'accord. Au final, toi, t'en es content de ta monture transparente ou pas ? Oui, moi, je suis. Tu préférerais pas l'autre ? Mais l'autre, elle est pétée. Voilà, elle te l'avait dit. Mais gros... C'est là que je veux en venir. Mais... C'est juste qu'au moment où tu l'as choisie, tu l'as kiffée. Et avec mais je vois pas où tu vas chercher le problème. J'ai deux paires de lunettes. Il y en a une qui est pétée, donc jamais l'autre. Je vais pas chercher le problème. Je m'en bats les couilles. Je signifie. Je veux dire, je suis très content de mes lunettes là. Oui, il y en a une que je préfère. Oui. Plus que l'autre. Mais je veux dire, ça n'empêche que les deux, je les aime bien. Et ces gens m'aiment pas avec. Je les emmerde. Il y a pas de souce. C'est tes lunettes. J'ai niqué. Et c'est toi qui les as payées. Il y a aucun souce. Je signifie juste que. Bah, j'ai envoyé deux personnes, trois peut-être, tu les as achetées à ma femme, non ? Les verres, oui, mais pas les lunettes. Ouais. Ça fait deux personnes que j'envoie du coup à ma femme pour faire les lunettes, et les deux ne l'écoutent pas. Et je suis en mode... Moi, j'écoutais le On a le droit de ne pas écouter le vendeur. Toi, tu détermines surtout ce que tu veux entendre, parce que moi, je partais pas sur cette forme-là, et je l'écoutais pour la forme. Je suis en mode, je sais pas ce que je veux, peut-être. Guide-moi sur des trucs, et elle m'a guidée vers des lunettes écailles bleues, je lui ai dit, baisse ta mère. Elle m'a guidée vers des lunettes les mêmes, avec la monture en dessous, rose. Et juste, elles n'existaient pas en noir et j'étais là, je ne mettrais pas de rose parce que je passe ma vie en monochrome, donc c'est mort. Et c'est tout. Enfin, il y a pas d'avoir débat où il y en a. Je ne mets pas de rose car je passe ma vie en monochrome. Tu peux peut-être t'octroyer un troisième choix. Excusez-moi, messire. Non, mais voilà, c'est genre. J'aime pas la couleur. En fait, j'ai l'impression que. Je sais pas, moi, quand je vais chez le coiffeur, alors j'ai peut-être tort, mais quand je vais chez le coiffeur, j'ai tendance à lui dire.
Bah, c'est votre métier. Bah, regarde. Allez-y. Regarde. Là, regarde. Tu vois hier. Tu vois la belette oui, crevée que j'ai sur le crâne. Mais non, mais. Ça, ah, alors Manodou ici. Mais ça va, j'ai le droit de te demander. Non, mais, le, non ça, mais par contre, voilà, ton, pour moi, je sais ton pas, parallèle c'est... avec le coiffeur est terrible. Parce ah, qu'à chaque fois que je vais chez le coiffeur et que je lui dis fais ce que tu veux. Repasse ta main dans les cheveux là. Attends, attends. Excusez. Ah, mais moi je suis pas coiffé là, c'était. Attends, est-ce que vous sortez du coiffeur satisfait? Eh ben, oui, c'est dur de trouver un bon coiffeur, mais voilà, j'en ai pourtant, enfin trouvé une dont je suis contente. Et pourtant, chez le coiffeur, t'y vas et tu lui dis vas-y, c'est ton métier, fais ce que tu veux. À chaque fois, tu ressors, t'es dégueu. Je suis d'accord, mais est-ce qu'on paye assez cher? Qui dit ça? Qui dit ça? Genre, c'est comme si j'allais au drive, le clerc fait « Mets-moi ce que tu veux, vas-y. » Le mec, il va mettre du Saint-Agone, du Saint-Aigur, que du Franprix. Il y a ça. Des gens, ils sont physionomistes, c'est leur métier non, aussi. Mais, tu vois, ça pue la merde. Parce que maintenant, tout le monde s'appelle coiffeur visagiste, mais en vrai, personne visagiste. Et c'est juste qu'il y en a certains, je pense, qui ont vraiment la compétence. Et je pense qu'il faut payer un peu plus cher. Pour avoir moi, je vais dans quelqu'un qui est vraiment compétent. Moi, j'ai dans un coiffeur c'est qui tout. Fait que les hommes. Je suis rentré, il a fait on fait pas les animaux. Et je suis parti. Mais n'importe quoi. Parce qu'évidemment, quand tu vas chez un coiffeur à la tondeuse pour 10 balles, c'est vrai. T'attends pas à ce qu'il te fasse un truc qui défonce, quoi. Le mec, il est là. Crois-moi que ma coupe, pour un mec, je la paye bien 40 euros. Hein, parce que c'est juste que. 40 balles 30, entre 30 et 40. Je paye 60 non, mais... euros, moi, les gars. Oh mais parce que lui, il est visagiste. Non, mais. Parce que lui, en fait, tu vois, c'est les coiffeurs qui prennent leurs ciseaux et qui font comme ça et que ça te coupe les. Ah oui, oui. Non, en gros, parce qu'elle le fait, ses cheveux et la barbe. Et que j'ai le droit à un brushing de barbe, un petit ouais, massage, un shampoing de barbe et tout. Je vais se faire brushinger non, mais gros, la barbe. C'est écoute, c'est ma manucure à moi, laissez-moi tranquille. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis, j'ai les pires cheveux du monde. C'est-à-dire que moi, je perds mes cheveux au-dessus, j'ai des cheveux à la Coluche ici. et il y a 5 ans, j'avais des cheveux hyper longs. Et quand tu vas chez un coiffeur, désolé, hein, mais de base, ils ne savent pas coiffer des cheveux frisés d'hommes, en fait. C'est soit les mecs sont. Les coiffures d'hommes souvent sont faciles, c'est-à-dire que le mec il y a 10 ans gros la seule coupe qui existait au collège c'était la coupe en brosse hein, frère, il y avait pas les trucs de footballeurs de partout avec écrit Pogba sur les cheveux tu vois. Donc juste que quand j'y allais le coiffeur il comprenait pas, il dit mais c'est bizarre les cheveux mouillés ils sont jusque là, les cheveux frisés ils sont jusque là. Et du coup je me suis retrouvé avec les pires trucs, donc ma mère elle m'a coupé les cheveux elle pendant genre 10 ans tu vois, et là je me suis dit à Paris, je suis à Paris, vas-y je suis pas dans la rue, je vais essayer de trouver un coiffeur qui sache qui sait faire parce que gros je vais. Et t'as toujours pas trouvé? Si j'ai trouvé, mais je veux dire si je vais chez un coiffeur à 10 balles, il va faire. J'ai une tondeuse, ça vous va? Silvercrest. Ils vont quand même mettre un certain prix pour trouver quelqu'un qui fait le taf. Mais d'ailleurs toi quand tu sors du coiffeur t'es très bien. Non mais oui mais parce c'est que juste qu'il faudrait que tu ailles peut-être plus souvent. Parce que je lui dis juste. J'ai te critiquer ce matin. Non mais en gros je lui dis. On va te trouver. Ça va moi aussi, il faut que j'aille plus souvent. En gros je lui dis bon bah voilà j'ai moins de cheveux là, est-ce que vous pouvez faire un truc pour que ce soit cohérent tu vois? Et il me dit oui, il y a pas de souci machin, et je lui dis bon bah quand à un moment il faudra tout raser bah juste dites-le moi quoi, puis on le fera quand quoi, ce sera trop tard quand j'aurai il y aura plus rien quand j'aurai Zidane voilà. Est-ce que tu perds là? Non je perds là. Ah bon? En fait, putain, tout... ça se voit pas pour le coup. Bah, si, quand tu baisses la tête, ça se voit. Vas-y, fais voir, zoom. Non, ça va. Non, mais en gros, j'ai comme tous les mecs, entre guillemets, tu sais, t'as les cheveux du côté et du derrière aussi, non qui sont beaucoup plus fournis, entre guillemets, que la bande au-dessus. Quoi. Et oui, j'ai des trous aussi ici, mais bon. Je pense que le casque, ça aide pas en vrai. Non, mais quel enfoiré. Mettre à enlever le casque. La petite étale. Ça va, parce que en fait, entre guillemets, j'ai l'avantage d'avoir des cheveux frisés, donc c'est dense. Oui, ça recoupe. Ils se recoupent entre eux, ils se referment. Mais si je fais genre une espèce de. Si je me coupe les cheveux très courts, ça se verra que j'ai. Ouais, en sortant de la douche, ça doit être bizarre. J'aimerais bien voir Xavier. Je l'ai vu une fois sorti de la douche. C'est... Alors, il est beau. Hein. Habillé, calmez-vous. J'ai vu une fois sorti de la douche, mais du coup, il avait les cheveux encore mouillés. Et on était à l'époque en coloc avec Dash. On s'est regardé, on a fait. Ultra beau gosse, sa race. Je te jure, il avait les cheveux plaqués en arrière, mouillés. J'étais en mode gros, tu ressembles à un footballeur, t'es magnifique. Et il a fait, oui, mais je peux pas le faire, donc laissez-moi tranquille. Pourquoi tu peux pas le faire? Parce qu'en gros, il faudrait qu'il mette de la cire, sauf que il abîmerait les cheveux, il les perdrait encore plus vite. Oui, c'est genre, ça et va. Du coup, il est en mode, je peux pas, mais je vous jure, Zari, les cheveux plaqués en arrière. Non, mais je mets rien sur mes cheveux, sinon ça les. En fait, ça les baise. Je suis en mode, bon, j'aimerais bien avoir des cheveux jusqu'à 30 ans, est-ce que je peux y arriver, quoi? C'est bientôt, gros, donc. Ça, 4 ans, gros, j'ai encore le taille. 26 quand même, hein. Mais ferme-la. Aïe. Moi ça va parce que c'est progressiste. Genre. C'est toi, on n'en parle pas. C'est un bulldozer, mais bon, c'est un bulldozer droit. Tu crois que ça va aller jusqu'ici? Tu vas pas écouter. Je t'assure que le jour où t'as les cheveux qui sont là, je t'anesthésie moi-même, je les rase. Mais moi, c'est une coupe 2D, c'est-à-dire tu regardes de face, ça va. Tu es de profil, bon, tu vois qu'il y a un problème. Mais ma maîtresse me sortait le bon planisphère. J'ai appris la carte de France. Mais après, en vrai.
les entre guillemets là, les greffes de cheveux, c'est un enfer, ce qui te prennent des cheveux de justement du bas parce que c'est fourni, c'est des cheveux de quoi d'ailleurs, qui les remettent, etc. Des cheveux de quoi? Comment ça? Non mais c'est tes cheveux. Des cheveux à toi? Ils te prennent genre dans la nuque. En gros, ils te rasent et après ils te prennent des cheveux de derrière. Et je n'ai pas compris. Est-ce que c'était ta blague donc du coup voilà. Mais non, j'essaye de savoir. Non mais tu savais vraiment pas. Non mais oui, tu peux en mettre. Oui, ils te prennent tes propres cheveux et mais sauf que ça coûte vraiment une blinde. C'est-à-dire que si t'es vraiment chauve de ouf, ça va te coûter je sais pas 10K, tu vois, ou 20K pour te remettre tes cheveux. Mais gros, par cheveux. Gros, t'aimerais bien faire ça? Non mais parce que Mami Twin qui a reçu une proposition d'OP. Oui, non, je sais. Pour avoir une cheveux. Je dis juste que ça c'est la technique actuelle. Mais j'avais vu un reportage il y a genre 5 ans, enfin, c'est un gueule M6, hein, c'est pas genre je me renseigne là-dessus, je m'en battais les couilles, mais voilà. Ou en gros, ils disent qu'ils essayent de faire du clonage de cheveux et ça coûtera beaucoup moins cher, donc ça se trouve dans 20 ans, je serai peut-être la boule à Z et on me dira, venez, ça vous coûte 2000 balles et vous pouvez revoir une chevelure de ouf. Et je suis en mode, bah, voulez-vous faire un bond en arrière. On va le revoir dans 20 ans, les cheveux jusque-là, il va être en mode, ouais, j'ai pas le temps. Non, parce que les cheveux trop longs, c'est chiant, mais... quand j'étais petit, en CP ou je sais pas quoi, j'avais les cheveux ultra frisés, j'avais les cheveux presque crépus, tu vois, ultra frisés, j'en avais masse, tu vois. Bref. Enfin, bon, vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler de l'E3, messieurs, dames. Aucun rapport, incroyable. Non, j'allais dire un truc pour terminer sur les cheveux, il y en a qui ont les cheveux blancs, là. Moi, j'ai des poils de barbe blancs. Moi, j'ai les poils de barbe qui roussissent, on dit. D'accord. Au soleil. Mais comme beaucoup de mecs. Hein. Ouais. Toi, pas de cheveux blancs? Non. Souvent, c'est les fumeurs qui. Oui, moi, ça aussi un peu aussi. Bah oui, ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est. Mais c'est beaucoup de mecs. Hein. C'est tigré, genre. J'ai des. Non, mais. J'attendais la réaction. Moi, je tiens un bout du guépard. T'es de 98 km/h. Non, mais des fois, quand je me regarde de près dans la glace, c'est vrai, j'ai un endroit, genre, c'est brun, et juste à côté, c'est un peu plus clair, mais ça fait des lignes, tu sais. Donc, je suis là en mode, bah, gros, des zébrés. Assez bizarre, tu sais, je suis zébré. Mais bref. Mais par contre, oui, je commence vraiment à avoir des cheveux blancs. Petit à petit, on les décèle. Mais ça me dérange pas du tout. Je trouve ça stylé, donc je m'en bats les couilles. Bon, allez, on y va. C'est parti. Les réseaux sociaux. Allez, balance. Ouais, du lourd hein, aujourd'hui, pas du tout. Attends deux secondes, parce qu'il y en a qui me chient à la gueule par rapport. Effacé. Il y en a qui me chient à la gueule par rapport à ma barbe, mais je suis au courant que j'ai des poils de couilles partout sur le visage, vous inquiétez pas. Salut, pot de couilles. Pot de couilles sur le visage. T'as effacé les tweets que je t'avais mis? Deux. Mais non, il y en a là. J'avais mis deux tweets, ils ont enlevé. Oh, je crois qu'il y en a un, il était un peu naze, donc je l'ai pas mis. Mais maintenant, ils sont en bas. Il les a renommés. Il les a renommés. Non, ils sont pas en bas. Ah, c'est pas grave, tant pis. Tu verras. Il n'y a pas de sous, gros. Je sais plus. Bref, quand ton chien a la dalle, bah si, c'est celui-là. Je l'ai juste renommé. Ah. Voilà, quand ton chien a la dalle et que tu fais une course pour savoir qui mange le plus vite, eh bien, des fois, tu peux avoir des surprises. Vous allez voir, il a grave, hein, le yinche. Hein. Alors, il aspire. Son maître est trop marrant. Ouais, mais il a une technique de mort, son maître, là. Déjà, c'est un Playmobil qui s'est voulu. Surtout, bonne éducation au chien. Non. Ah, c'est dégueu! Ah, il s'est léché le fion avant le chien. Sauf que le chien, il a la dalle! Tu me laisses manger! Ah voilà, tu ne pourras jamais. Non, par contre, tu t'amuses à faire ça avec ton chien, mais après toute ta vie, il va venir taper dans tes assiettes. Oui, c'est pas bien. Oui, c'est vrai. C'est... On s'en fout, c'est pas le nôtre, c'est rigolo. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est... Mais c'est les animaux qui font des conneries, c'est toujours très drôle chez les autres. Oui, c'est vrai. Toi, c'est toujours moins fun. Comme les gamins. Ouais. Exact. Mm. Bon, hier soir, je suis rentré chez moi, je fais putain, il y a une drôle d'odeur quand même. Oh non. Il a chié et dans l'assiette. Je marche et là ta femme avait chié sur le parquet. En fait, mon chat, il avait vomi, mais genre dans tout le salon. Tu sais, ça devait être un jeu, genre un truc violent. Et ça puait, mais alors ça a pué. Je crois que ma femme, elle est tombée endormie, mais genre de l'odeur. Mais tu genre... lui donnes quoi à bouffer pour comment c'est possible? Bah, c'est la première fois que ça arrive, toi. Donc, moi, sais pas. Mon chat, il gerbe souvent, mais il a une technique bizarre, c'est qu'il gerbe un coup, ensuite il se recule, hop, j'en remets une petite. Ah, le mien, il fait pareil. Et il fait sa trace comme ça, mais je pense que c'est juste pour pas qu'il se gerbe sur les pattes. Ouais. Parce mais c'est peut-être d'un ça. Moment, ça fait une flaque. C'est ça, ils sont parce que c'est vraiment un truc. Il a peut-être la même technique, hein. Ils sont peut-être frères, on sait ça pas. Se trouve, hein. Moi, le chien de mes parents, il rebouffait son vomi. Ah, bah il fait ça aussi, le mien. Mais il fait ça parce qu'il y a des nutriments dedans. Des chats scatophiles. Sérieux? Mais pas sa merde, gros. Les lapins, ils bouffent leur vomi. Bah oui. On n'appelle pas ça de la même manière? Bah non. Scatophile, c'est quand tu. C'est pas l'ensemble, c'est pas quand non, tu bouffes tout ce que tu ressors. Non, c'est les excréments, gros. Alors si comment tu bois ton urine, comment on dit? On dit connard. Et comment on dit? Et du coup, quand tu bois ton vomi. On dit bourré. Quoi? Hémétophile. Quand on. Merci, maître Galibert. Oh, yo. Imagine un hémétophobe qui est hémétophile.
Genre il est sado et maso. Genre il se j'en ai peur mais j'adore ça. La douleur. Ça existe ce genre de truc? Je sais pas. Je ne veux pas savoir. Je pense que ça existe un mec qui est aveugle, sourd, muet. C'est chiant quand même. Ouais, c'est vrai aussi. Putain, quel cauchemar. Oh, suicide, bon. Il peut en vrai, en vrai, il même. Peut pas, il voit pas. Enfin, quand t'es aveugle, sourmé, je veux dire, t'es un homme tronc. D'ailleurs, il est même pas vexé que je lui dise, il m'entend pas, il me voit pas. Pour peu que tu lui aies brûlé le bout des doigts, il a même plus le bras et c'est terminé, quoi. L'homme tronc. Imagine t'es changé de sujet. On rappelle, hein, 10 000 euros pour Cap Game. Ça va. Imagine t'es changé de sujet. Sens, c'est l'odorat. Genre tu peux casser les couilles, tu renifles que tes produits de rien. C'est nul à chier. C'est chiant. Tu renifles que les caisses choisir, que tu lâches. Si tu devais choisir un seul sens, genre vraiment, c'est à dire que t'en as quatre en moins, t'as un seul. La tu vue. Peux regarder mais pas bouger, plus rien. Enfin si, tu peux bouger. Ah, si. Non, le toucher, la gros. Vue, la vue. La vue. Mais non, mais le toucher, non, genre. Non, c'est voir, entendre, voir, sentir, le goût. Goûter. Ouais. Enfin, moi c'est la le toucher, le toucher, si c'est bon. Il reste quoi? Bah c'est pourri. Tu veux dire que si je fais ça, je le sens pas? Ouais. Ah ouais. Et tu fais comment pour Ken? J'avoue, tu sens plus rien. Bah, le toucher, c'est le plus optique. Tu préfères voir ta femme ou la baiser? Mais non, mais rien à voir. Hein. Ah, vas-y, réponds. C'est quoi réponds. Cette question? Réponds. Bah, ça dépend, pas, quand elle a chié sur le parquet, ça. C'est, ouais, c'est peut-être ça, il a peut-être modifié l'histoire, mais c'est sa femme qui avait chié partout. Et hop, une petite trace de signe dans la marge. Tu as dit, j'ai pas vérifié l'ADN. Hein, donc, imagine, ton seul sens, c'est la vue, il y a un mec qui fait. Ouais, ou voir, quand même, je sais pas. Parce que voir, tu peux regarder des séries, des films et tout, quoi. Ouais, mais tu peux pas écouter les séries. Tu peux voyager, tu peux faire plein de trucs. Ouais, voir les séries, mais tu peux pas lire les sous-titres. Parce que tu sais, tu comprends pas. Comment on fait? Ah oui, ça j'avoue. Eh, mais en vrai, c'est un vrai truc, ouais. Comment ça, tu peux pas lire les sous-titres? T'as la vue. Mais non, mais imagine. Bah non, t'as mais ça la va. Vue, si comment t'es tu t'as la vue, mais t'es teubé. Tu sais pas lire. Mais non, mais c'est un vrai truc. Comment t'apprends à lire si tu. Bah, à l'écrit. Mais comment ils font les. Ah, des gens qui sont sourds à la naissance, bah, ils doivent sûrement apprendre à lire. Ils ont sûrement du mal à prononcer. Mais au bout d'un moment, ils y arrivent. Il y a le langage des signes. C'est juste qu'ils doivent prononcer un petit peu bizarrement, tu vois. Il y a des gens qui savent lire sur les lèvres. Vous avez aussi. Entendu des gens qui communiquent en langage des signes parler? Oui. Moi, j'ai un livreur Uber Eats. Non, mais c'était. Moi, j'ai entendu, mais c'est pour répondre. Bah, c'est pour ça. En fait, un livreur Uber Eats, il ne parle pas à chaque fois. Bah, ils arrivent. Ils prononcent comme eux pensent que ça se prononce. En fonction des mouvements. C'est ça. Et du coup, ça ressemble en fonction des personnes, ça ressemble plus ou moins. Le mec qui a dit le braille à l'écran, on était allé manger avec Zulu. On était allé manger dans un restaurant qui s'appelait. Ah oui. Le restaurant. Signe, je crois que ça s'appelle Signe. Ouais, c'est à Paris. Et 14. C'est un restaurant où en fait se réunissent tous les gens de la zone qui sont soit sourds, soit muets, soit les deux, soit j'en sais rien. Mais du coup, tout est fait pour les sourds et muets. C'est-à-dire même les serveurs et même les serveurs, les cuisiniers. Tout est écrit. C'est ça, mais et tu peux venir même si t'es pas sourd et muet, juste pour découvrir comment ça se passe. Et du coup, la carte. Au dos, ils t'apprennent les bases du langage des signes. C'est trop bien. Du coup, tu peux entre guillemets te prêter au jeu, même si c'est pas vraiment un jeu, et essayer de. Tu peux apprendre ton. En gros, tu peux t'inventer un prénom en langage des signes. Il m'entend pas, ce connard. Oh. Et il me voit pas non plus. Ben voilà. Quand est-ce qu'on va bouffer? Non, mais voilà, moi je trouve ça. Je trouve que c'est une bonne initiative. Ça permet de mêler, tu vois, des gens qui ont un handicap et des gens qui n'en ont pas. Et c'était très bien. Ouais. Et en plus, on avait très bien mangé. Non, mais en plus, il y avait une idée. Ah là là, quand on parle de cul. Non mais je veux dire, dans le restaurant, il y avait aussi une idée d'insertion. C'est-à-dire, c'était en collaboration avec un centre de formation pour les personnes. Personne t'écoute, gros. C'est terminé. Vraiment. Allez, la suite, c'est fini, la suite. Allez. Je suis désolé, mais en train de. Vous mangez des noix. L'addition, s'il vous plaît. Ah non, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Allez, Zulu. Bon, une bonne action des tweetos. Suite, vous savez, on en a parlé il y a quelques semaines. Les comptes des moins de 16 ans qui avaient été clôturés. Et il y a une personne qui s'est fait clôturer son compte, sauf qu'elle en avait besoin pour passer un oral. Et voilà, les mecs sur Twitter se sont réunis pour RT et faire en sorte qu'elle puisse passer son oral, parce qu'elle avait besoin de son compte Twitter pour faire un oral. Enfin, je ne sais pas si c'est du fake ou pas, mais en tout cas, cette personne a longuement remercié la communauté en disant « Bon, ben voilà, je ne pensais pas avoir autant de soutien de la communauté. Donc, » donc, assez cool. Merci à vous. On enchaîne avec une petite perle, un petit mail qui a été envoyé au compte de Fnatic
C'est eSport Gear, je crois. Non, c'est Fnatic Gear, tout simplement. En ce moment, un petit malin qui se fait passer pour un ninja pour essayer de récupérer un clavier. Ça, c'est incroyable. Hello, I'm Ninja, the YouTuber streamer with 12 million subscribers. Bref, envoyé depuis mon iPad à la fin. Merci Zulu, arrache qui est au bout de la première ligne. Vous savez lire aussi. Bref, I can't use my official mail. I broke my clavier. I received some match. Voilà. So much message. The new mice. Je pense qu'il lui a envoyé des tonnes et des tonnes de stuff. Envoyé de mon iPad. Envoyé de mon Honor 8. Incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, ouvre aussi une exposition Game of Thrones sur Paris. Je dis ça parce que j'ai vu ça en TT. C'est bien ou pas en TT. Bah, je sais que... Comment ? T'as une vidéo, un truc ? Des petites images sur le... Il y a les acteurs de Game of Thrones qui étaient là hier. Alors, acteurs ou membres du cast, enfin de l'équipe technique, etc. Sais que Webedia nous a proposé en... Enfin, moi, j'ai reçu un mail en interne pour... J'ai reçu un mail en interne pour aller assister au vernissage. Malheureusement, c'était déjà... complet, mais franchement je suis curieux, voilà, pour aller voir les décors, tout ça. C'est les vrais costumes ou c'est ça... des... Oui, c'est les bas, j'espère. C'est un cosplay. C'est un cosplay. D'ailleurs, on dit maître des ténèbres ou maître du... Les maîtres des ténèbres. C'est maître des ténèbres, je demande le jeu. Ah, c'est pas les maîtres du temps. Ah, t'es non, sûr c'est maître des ténèbres. Non, c'est maître du temps. Ah non. Est-ce qu'il te donne du temps? C'est maître du temps. J'ai l'impression qu'on chie maître du conseil. Maître du conseil, peut-être. Non, maître des ténèbres. En tout cas, Olivier Mine mate la taille de mes pecs. Hein. Ouais, Olivier, il charbonne. Et voilà, c'est du 1er juin au 2 septembre. Ça coûte 19 euros pour les adultes. Ah non, c'est une petite somme quand même. C'est quand même cher pour avoir, avoir la consistance de l'expo. Voilà, si au bout d'une demi-heure, tu es sorti ou si tu prends bien ton temps et tout. Mais moi, je suis curieux de voir ça. En fait, pour l'instant, je pense que Game of Thrones, c'est la seule série qui ne m'a jamais déçu. Donc voilà, je suis plutôt. Et bah, attends, attaché à la prochaine saison. Qu'est-ce qui se passe en régie? Une précision, mais voilà. Voilà, maître des ténèbres. Maître du temps, puis maître des ténèbres et maître, tout court. Ouais, sauf que maître des ténèbres est le plus long temps, donc voilà. On a gagné. Allez hop, dans le chat, allez. Ça mange, alors, ses crocs de nez. Ça mange, mais c'est des 2000, ça. Comment ça, c'est plus long? Bah regarde, bah, maître du temps, c'était une seule année. Pendant 6 ans. Ah ouais, j'avoue. Non, mais c'est l'année qui nous a marqué. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Il va falloir taper sur ce clou. Putain, ça n'a pas de sens. C'est tellement plus logique que ce soit des maîtres du temps. Mais non, parce que les maîtres des ténèbres, parce qu'en fait, c'est les ténèbres. Allez, maître. L'argument. Gênant. La belle mousse, pense. Next. Le pauvre Zulu, attendez, s'il vous plaît, on peut se reconcentrer. Le pauvre Zulu. Ouais. Il est qu'il est mort, il est en mode next. Non, mais Hugo, il m'a trouvé un petit tweet. Faites attention à vos filtres, des fois sur Snap ou autre. Ça peut créer des situations indésirables. Cocasse. Voilà. Des quiproquos. Cocasse, des quiproquos, comme on dit. C'est le dinosaure? Oui. Et ouais. Effectivement, c'est le dinosaure. You smell like one, too. Hey, blow it out, dog. J'aime bien le mouvement du... et le dino qui est genre... Il kiffe trop sa race. C'est le trailer du nouveau Jurassic World. Voilà, assez incroyable. Une nouvelle surprenante avec Zizou. Qui a annoncé son départ du Real aujourd'hui en conférence de presse. Ça fait mal. Assez étonnant. Hein. Ça faisait 2-3 ans qu'il était aux commandes, je crois, du Real. Il va peut-être récupérer gagner l'équipe de France après la Coupe du Monde. Bah, en fait, ouais, c'est possible. J'avoue, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, est-ce qu'il prépare pas un potentiel terrain? J'en sais rien et je suis absolument pas un expert du foot. Hein. Mais je me suis dit, est-ce qu'il n'anticipe pas, par exemple, une défaite en Coupe du Monde qui pourrait peut-être laisser une brèche pour pouvoir reprendre l'équipe de France en main. Oh, j'aimerais bien, mec. Zinedine. En tant qu'entraîneur. Zidane. Mais en tout cas, c'est étonnant parce entraîneur que. Entraîneur de l'équipe de France. Parce qu'à serait... un moment, s'il y a un problème. Il enlève le maillot. Il y va. Mais je vais où la mettre, moi, c'est pas non, mais je veux dire, en tant qu'entraîneur, je veux dire, il est arrivé depuis 2-3 ans au Real. Il a gagné bah, voilà, 3 ligues des champions, un championnat d'Europe, une Super Coupe d'Europe. Enfin, je veux dire, il a un sacré palmarès. Après, on peut se dire, bon, est-ce qu'il n'est pas arrivé au bon club, enfin, au bon moment dans le bon club. J'avoue qu'à Quimper, il n'a pas fait 3 ligues des champions. c'est clair que ça aide. Mais à voir ce que ça va donner. C'est quand même un mec qui n'a pas une seule ombre à son tableau. Quoi. Donc, bah, si, il a un coup de boule, il nous a. Ouais, sauf qu'en vrai, la moitié des gens, le coup de boule, ils étaient en mode t'as bien fait, te laisse pas faire. Je pense que ça aurait été n'importe quel autre joueur de l'équipe de France qui se faisait enculer à Lyon. Ouais, mais vu que c'est juste parce que c'était Zidane qu'il a réussi à se faire un peu pardonner, mais sur le coup, c'est. Enfin, tu peux nous la remettre, pas ça, Zinedine, gros. Bah, même lui, t'as pas ça.
Et en plus le pire, c'est que c'est qu'après on perd. On est des footix, mais techniquement, ça encule le moral. Tu prends carton sur Zinedine Zidane, tu mets dans les arrêts de jeu, ça te met mal. Peut-être qu'on aurait perdu quand même avec lui, mais tu vois ce que je veux dire, ça coupe les jambes. Ouais, c'est chaud. Ouais, mais bref. C'est chaud. Voilà, à voir ce que ça a donné. Il a quand même annoncé. Il a quand même annoncé qu'il cherchait pas d'équipe pour l'instant, mais qu'il en avait pas marre d'entraîner. Donc voilà, c'est un petit peu. Mais en vrai, je trouve même le tweet que j'ai mis. Pour moi, c'est un très bon pécho. Ah oui, c'est un très bon. C'est-à-dire, il est au top de sa carrière d'entraîneur. Il se casse de la bonne manière. Voilà, trois Ligue des Champions en trois ans. Et toi. Et toi. C'est vrai que voilà, on sent vraiment la différence. Peut-être qu'il a appris de la manière dont il est sorti de sa carrière pro, de joueur. Il a mis 2-3 coups de boule au journaliste quand même. regarde ce petit tweet sur lequel je suis tombée aujourd'hui. On dirait une goule. C'est quoi ce son? Oh la tête. Ouf. C'est quoi le son? C'est le bruit de mort dans Roblox. J'ai demandé à ce qu'on ajoute tout à l'heure quand même. mais voilà, on verra ce que ça donne. On va enchaîner sur une corrélation qui est un petit peu particulière. Une quoi? Une corrélation. Okay. Un lien. Voilà, si tu préfères. Entre le foot et le cinéma français. C'est un peu de con aussi. Non, mais c'était juste pour faire chez Zoulou. Ouais, j'ai bien compris. Voilà, un lien entre apparemment le foot et les droits de diffusion et le cinéma français. Ça se passe dans le quotidien et on regarde, ça parle de Canal+ et des droits de diffusion de la Ligue 1. J'étais assez étonné. Depuis la création de Canal+, François Mitterrand a accordé une fréquence, qui est un bien public, à Canal+, à condition que Canal+ finance le cinéma français. Donc en fait, en 1984, on a lié de manière un petit peu bizarre le destin du football à la télévision, qui était supposé attirer des abonnements, et celui du cinéma français. Et en fait, l'argent que donne chaque année Canal+ au cinéma français est indexé sur son chiffre d'affaires. Donc c'est mécanique. Si le chiffre d'affaires de Canal+ baisse, le cinéma français reçoit moins d'argent. Et le cinéma Donc moins de films. Moins de films financés, moins de films préachetés. Et en fait, le chiffre d'affaires de Canal+, il baisse déjà beaucoup. Et l'année dernière, par exemple, le cinéma français a perdu 40 millions d'euros de financement dans l'année. C'est déjà énorme. Donc là, en effet, les producteurs sont extrêmement inquiets, mais extrêmement inquiets. C'est-à-dire que si ça déclenche des désabonnements massifs auprès de Canal+, le chiffre d'affaires va baisser et le cinéma français va trinquer. Et d'ailleurs, Maxime Saada, le patron de Canal+, ne s'en cache pas. Voilà, j'ai appris ça. Enfin, je trouvais ça. C'est intéressant. Je ne connaissais pas, mais ouais, c'est vrai, c'est marrant de voir les liens, les recroisements de tout ça. On verra ce que ça va. En tout cas, c'est sûr donner. Que dernièrement, le cinéma français est au plus bas. Hein. On le confirme. De très beaux films qui sont proposés. Ça dépend, il y a encore des trucs pas mal. Des rares trucs. Dans en l'avion vrai. Dernièrement, j'ai vu Le Sens de la Fête que j'avais pas vu au cinéma. Ouais, mais voilà, mais très bien. Tu vois, c'est des exceptions. Il y en a peut-être allé 3 films sur 10 et je dis des conneries. Ça, hein, mais... ça reste français. Ça reste de la comédie. Ça reste, ça reste un truc que tu sais ce qui va se passer à la fin, à Pied, tout le monde va serrer les couilles. Mais enfin, voilà. Non, mais tu sais ce que je veux dire. C'est, tu passes un bon moment, mais il n'y a pas de. Ouais, mais je sais pas, les comédies. Quand ils tentent des trucs genre Dans la brume, bah DSL, mais. Oui, mais ouais. C'est pas la réduction de budget qui va améliorer ça. Ah, bah, mais on est tout à fait d'accord. Mais justement, c'est terrible parce que bon. Oui, c'est déjà pas glorieux, entre guillemets. Ouais, du coup, c'est surtout que ceux qui risquent de trinquer, c'est ceux qui en ont le plus besoin, entre guillemets. Ouais. Parce que du coup, quand t'as peu de budget, bah, tu vas le donner à ceux à qui tu fais confiance, qui ont déjà fait des films. Trop bien, du on coup, va voir les plus mecs de Kevin Adams. Ouais, voilà. Et les mecs qui du coup veulent peut-être essayer des choses bah ou des nouveaux arrivants. C'est ça. Le cinéma de genre, le cinéma de genre en France, il est mort carrément. Quoi. Il y a très peu de gens qui arrivent à en faire. Et ce qui sort aujourd'hui et ce qu'on voit dans les cinémas chaque semaine, souvent, c'est les mêmes merdes et c'est comme ça. Quoi. Donc à voir comment ça se passe. Le problème, c'est que ce qui marche, c'est soit des trucs pour les enfants, entre guillemets, ouais. Soit des trucs qui sont nazes, mais tu peux emmener tout le monde. Genre, pourquoi les films, pourquoi Taxi 5 ça marche, entre guillemets. Enfin, on va pas se mentir, Taxi 5 c'est pas du Taxi, grand cinéma. Taxi, Les Tuches, etc. Pourquoi Les Tuches ça marche, pourquoi les films avec Kev Adams ça marche. C'est du divertissement facile. Parce qu'il faut un truc qui ramène des gens. Donc, soit tu prends Kev Adams, voilà, idole des ados ou je sais pas quoi, soit tu prends un truc qui tu sais que ça va marcher, mais du coup, bah, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, quoi. Tu vas avoir. T'as un Taxi 5, t'as un Super Mario Galaxy 27, mais c'est difficile de sortir un nouveau truc. C'est valeur sûre, quoi. C'est valeur sûre et t'es sûr que ça va à peu près marcher, quoi. Et quand ça marche pas, en plus, il n'y a pas de deuxième chance. Hein. Quand t'as un film, en gros, il y a une bonne idée, mais que ça marche pas, crois-moi que c'est mort. Hein. C'est en mode, bah, ça a pas marché, gros, on n'en fera jamais, tu vois ce que je veux dire. Des fois, il y a des films, tu te dis, putain, c'était pas mal, mais ça a pas assez marché, et boum. Quoi. Ouais, moi, je suis curieux de voir si on va l'aborder dans le récap ciné. Si, bah oui, je pense. Si Gauthier, Johan et JB ont un avis là-dessus, mais voilà, à voir.
Il l'a mis Rizzo, le truc écrit en majuscule en énorme là. C'est quoi? C'était il y a longtemps ou vous venez de le mettre? Je vois dans le document. Vite Zizou, non, mets moi, ça Rizzo, machin. Oui, oui, c'était moi, avec des chants. Ok, tout va champs. Bien alors. On peut le remettre, hein, parce que. Oui, on peut se le remettre, hein, pas de soucis. Il est terrible. J'avais peur de dire une connerie en disant que du coup peut-être il voudrait reprendre l'équipe de France, mais apparemment ça n'a choqué personne. Bon, franchement, une fois. En fait, c'est pas obligatoire que ce soit lié, mais ça peut être, ça une, être ça. Une stratégie, okay. Une strat, tu vois. Ça bah, du coup, c'est un peu gros, non? On ne sait pas. Il y a beaucoup pas, de gens mais... qui disent. Enfin, en fait, les gens du foot, une grande partie en tout cas que j'ai vu sur Twitter, se hypaient en se disant, bah si Zizou reprend la coupe de, enfin l'équipe de France, Benzema, le retour de Benzema, ah, etc. Bah, ça, etc. C'est sûr. Mais, enfin, ça c'est sûr. C'est sûr. Du coup, il y avait des gens qui se hypent, mais pourquoi Benzema est parce que Benzema est, au Real. Est en disgrâce. Benzema est au Real, il est entraîné, enfin il était entraîné par Zizou et en fait Deschamps a un différent avec Benzema. Il veut pas le mettre en équipe de France, non pas parce qu'il le trouve pas performant. Mais parce que il pense au collectif, enfin c'est ce qu'il dit, il va nuire au collectif, il a pas la bonne mentalité, des embrouilles et tout. En fait, ça, tout ça, c'est lié à l'histoire de la sextape avec Valbuena, etc. Moi, j'ai entendu, après, enfin oui, ça c'est des histoires un peu voilà qui sont pas vraiment très sportives. Mais moi, j'ai entendu dire dans certains vestiaires, en tout cas, que si Zidane, mais putain. Ah là là. Allez, go. J'ai entendu dans certains vestiaires que si Zidane prenait les rênes de l'équipe de France, on allait la pécho à cette peu cool. Cette peu cool, effectivement. Merci à toi, Zoul, pour ces quelques tweets. Les deux derniers, c'est pas pour. Non, c'est bon. Bah, je crois que c'est des vieux trucs. Non, mais elle est quand même. Rien, gros. Mais elle est quand même. Non, c'est une innovation. Là, c'est que... Ils sont là depuis la semaine dernière, donc j'en sais rien. Mais elle est quand même. Ah si, c'est toi qui me les as mis. Ouais. J'en sais rien. Je sais plus, c'est quelqu'un. Ah, c'est moi qui lui ai donné ça la semaine dernière. Ils avaient stocké. L'MDR, ok. Ouais, nice. XD. Incroyable. Et l'autre? Et l'autre. Je sais plus ce que c'est, c'est vieux. Ah, si. Héros, non, pas toi. Ouais, voilà, pas c'était marrant, t'aurais dû bonne mettre. Tranche. Bah, t'aurais allez, dû mettre. Non, mais ça va. On passe à la suite. Qui Ailey, Hugo, peut-être. Salut, Max. Moi, je sais pas. Toi, vas-y. Ouais, allez, si vous voulez, allez, vas-y, news. Le 3. Dans la chronique de Max en second pour le melon quoi. C'est ça. Je fais exprès hein, de demander putain. Question à Ailey parce que je t'ai pas demandé avant. Est-ce qu'on va parler de Pokémon avec toi? Oui tout monsieur. À l'heure. Ah j'en parle pas du tout. Alors j'en parle absolument pas. T'es les en face de. Les en face de Forain. Quelques infos sur jeuxvideo.com. D'ailleurs la même chose sur Gamekult hein, pour ceux que ça intéresse sur Fallout 76 dont on a vu un trailer et on a absolument rien appris dessus. Si. Mais il y a quand même des trucs qui ont un petit peu fuité par-ci par-là. Ouais. Puisque il y a un mec de Kotaku dans un récent article qui nous indique que selon trois sources proches du dossier, ce nouveau chapitre de Fallout serait en réalité un RPG de survie en ligne, inspiré de titres tels que DayZ ou Rust. Ces sources anonymes expliquent que Fallout 76 est une initiative expérimentale, d'abord prototypée comme une version online de Fallout 4. Le titre comporterait bien une histoire, des quêtes, ainsi que de la construction de base, comme dans le premier opus, mais également des mécaniques de survie et du multijoueur. Il serait conçu par les divisions de Rockville et d'Austin de Bethesda Game Studio. Donc, pour le moment, c'est tout ce qu'on en sait. Ouais. Ça apporte quand même un petit peu de grain à moudre à se dire « Ah, ok, ça devrait ressembler un petit peu à ça ». Après, c'est vrai que les jeux de survie, souvent, c'est fait par des petits studios perdus qui te sortent un Steam Early Access et puis finalement, le truc reste dégueulasse pendant 4 ans parce qu'ils ont des équipes trop petites, pas les moyens ou pas le talent. Voir des gens qui ont de l'expérience se lancer dans ce genre de défi, ça peut être l'occasion d'avoir un vrai jeu de survie qui fonctionne avec des vraies mécaniques et quelque chose qui perdure dans le temps et qui a de l'intérêt. On verra. Et j'ai vu aussi sur d'autres sites, enfin encore une fois, ce que tu as dit, c'est des rumeurs. Mais apparemment aussi, il n'y aurait pas, désolé le chat, hein, mais encore une fois, c'est une rumeur, mais il n'y aurait pas de The Elder Scrolls cette année parce que justement, The Elder Scrolls se porte bien online, le jeu online se porte bien, et du coup, le prétexte de Fallout 76, etc. Machin. Et je ne sais pas si c'est marqué dans cet article-là, mais aussi apparemment, ce serait 20 ans après la catastrophe et que du coup, ce serait encore moins construit, encore plus déconstruit qu'avant, encore plus le bordel, et que l'objectif du jeu principal serait de reconstruire absolument toutes les villes, enfin tout le truc. Mais ce serait persistant. Pardon ? Mais du coup, ce serait persistant. Ouais, c'est ça. Cool. Ouais, à voir. Ça peut être intéressant. Ça peut être cool. Ce que ça donnera. On aura évidemment plus d'infos
à l'E3. L'E3, d'ailleurs, on va y revenir tout de suite. Tout à l'heure. Parce que la transition est trop bonne. Ouais, c'est vrai. Donc allons-y, parce qu'après, on va pas parler de Fortnite. Allez, go. Parlons de l'E3 directement. Tu peux afficher, du coup, le tweet de Devolver Digital et son image que l'on va essayer de remplir. Limite, tu peux... Oh, je sens que je vais te faire chier, là, Rizzo. Parce que... Tu peux écrire sur une image, par-dessus ? Dommage. C'est noté. T'es vraiment naze, Rizzo. C'est unlucky, ça. On va te virer. C'est unlucky. C'est pas grave, affiche-la, on va la remplir à l'oral. Et puis, s'il y en a un parmi vous qui a le courage de la faire vite fait sur Photoshop et de nous la reposter complète, ça sera parfait. Alors, si tu peux afficher du coup ce tweet de Devolver, c'est le E3 Report Card 2018. Yes. Ils ont posté ça. Je trouvais ça assez rigolo. Je sais pas si c'est eux qui l'ont posté à la base, mais je suis tombé dessus. Et je trouve ça assez rigolo. C'est-à-dire que pour chaque conférence de chaque éditeur, il va falloir indiquer ce que tu attends le plus, ce que tu espères voir arriver pendant cette conférence, ce à quoi tu t'attends comme genre d'ambiance, on va dire, est-ce qu'on va se faire chier ou pas, est-ce que tu es hypé pour cette conférence, qu'est-ce que tu auras en réalité et au final, les petites notes, quel sera a priori à vue de nez le débrief de la conf après coup. Et en gros, l'idée, ça va être de deviner tout ça, on va faire nos prédictions. Et puis on la ressortira une fois que les conférences seront finies. Et on dira, bon, est-ce qu'on avait raison ou est-ce qu'on était complètement à côté de la plaque ? Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite avec Devolver qui s'est auto-rempli. Au final, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont mis. Puisqu'ils ont mis, qu'est-ce que tout le monde espère ? Hotline Miami 3. Yes. Ça, c'est clair. À quoi on s'attend pendant la conf ? À ce que les mecs fassent la seule conf qui soit vraiment marrante. Parce que c'est ce qu'ils font d'habitude. Est-ce qu'on est hypé ? Bah, un peu, mais pas vraiment, parce que c'est pas non plus les plus gros triple A de l'univers, mais on sait qu'on aura quand même quelques jeux sympathiques à se mettre sous la dent, donc on a quand même envie de voir. Et en réalité, bah, il y aura pas d'Hotline Miami 3, en tout cas, ça, c'est ce que eux disent, oui, mais si ça se trouve, ils vont l'annoncer. En réalité, ce sera peut-être pas marrant du tout. Et en gros, grade and review, overrated, alors try too hard, je sais pas comment le traduire. Ils en font trop. Ouais, c'est ça. Voilà, ils en font trop. Et l'année dernière, c'était mieux. Bon, forcément, comme c'est eux qui postent le truc, ils peuvent pas s'envoyer des fleurs, donc c'est normal qu'ils fassent de l'autodérision et qu'ils se tirent un peu dans les pattes comme ça. Mais du coup, nous, on va le faire pour les autres éditeurs. Et on va commencer du coup par le PC Gaming Show. Qu'est-ce que vous espérez autour de cette table pour le PC Gaming Show ? Rien. Rien du tout. Je pense qu'ils vont juste parler. Je pense que ça va être la conférence où on va parler le plus de la VR. De la réalité virtuelle et que ça va durer des plombes et des plombes. J'espère que peut-être ils vont arrêter de vouloir puber des jeux qui sont en fait que des expériences en réalité virtuelle et plutôt qu'ils proposent des vrais jeux avec une histoire, un vrai gameplay, un vrai truc. Mais ça m'étonnerait parce que c'est encore trop cher, vous le savez, de toute façon. Et de toute façon, ils vont faire que reparler des jeux qui sont portés sur PC aussi. Donc franchement, je sais pas, Half-Life 3, mais bon, ça, on peut oublier. Après, il y a quelques éditeurs qui ont annoncé leur présence sur le PC Gaming Show, genre Sega et d'autres, je suis désolé, j'ai oublié. Je suis pas du tout renseigné sur les annonces. Il y en a quelques-uns, donc a priori, on devrait voir quelques trucs intéressants. Après, des espoirs... Des nouvelles techno, en vrai, autres que la VR, je sais pas. À voir. Franchement, Nvidia ou des items qui vont avec la VR, non ? Ouais, peut-être. Est-ce que ce sera annoncé dans le PC Gaming Show ? C'est une conf qui est tellement vaste, ça touche tellement à tout on sait tellement pas où on va avant. Des trucs qu'on aimerait voir, peut-être un nouveau casque de réalité virtuelle, mais genre beaucoup plus développé. Sauf que on sait que ça ne sera pas annoncé là-dedans, donc on l'attend pas vraiment. On aimerait voir. Une exclu PC, ça n'existe plus, c'est terminé ça. On aimerait voir quoi ? Des nouvelles technologies, peut-être apportées par Nvidia ou AMD. Quand on a eu AMD qui est venu, c'était chiant comme la mort, parce que c'est eux qui avaient financé le truc. Et du coup, c'était chiant, ils en faisaient trop, leurs produits, on savait que du cloud gaming aussi, peut-être qu'eux vont en parler. Peut-être montrer des technos qui utilisent le cloud gaming. Et ça, en vrai, ce serait intéressant, parce que c'est ce qui se passe avec le Game Pass sur Microsoft de plus en plus. Enfin, c'est le système Netflix d'abonnement. Il y a deux trucs liés au cloud gaming. Il y a le fait de pouvoir jouer à des jeux qui sont sur un serveur distant et il y a le fait de jouer à des jeux qui vont utiliser des serveurs distants pour faire des calculs que ta console ne pourrait pas faire, genre de la destruction de bâtiments et autres. Ça pourrait être intéressant de voir ce genre de truc. Et compiler la puissance de ton PC avec la puissance de PC ailleurs. Puissance externe, Peut-être y voir Microsoft annoncer qu'on pourrait... Parce que là, on sait qu'on peut jouer sur PC à nos jeux Xbox. Ça pourrait être sympa de jouer sur Xbox à nos jeux PC. À voir. Bon, voilà.
doucement. Bon, techniquement, c'est facile. Il faut juste qu'ils le veuillent. Hein. Mm. Mais bon. Oui, mais pour avoir la même. Fin... Non, c'est juste du streaming. Ah oui, d'accord. Ah okay. Oui, mais non. Okay, okay. Ils vont, on parle encore de, oui, okay. De réseau, là. Absolument. Évidemment, la console ne va pas calculer ça. Juste en mode. Ils ont déjà du mal avec PUBG. PUBG. Bon, à quoi on s'attend pendant cette conférence PC Gaming Show? Bah, rien du coup. En fait, est-ce qu'il y a eu des. À se faire chier. Non, mais là, c'est l'ambiance. Ah, franchement, c'est. Non, c'est non, en vrai. Non, en fait, non, parce que ce ne sera pas annoncé dans ce truc. Donc, non, en fait, est-ce qu'il y a des trucs que. Bah, Cyberpunk, j'aimerais bien voir du gameplay sur PC de Cyberpunk. Voilà. Est-ce qu'il y a un jeu de PC vraiment qu'on attend? Cyberpunk. Ouais, donc voilà, il y a rien. En fait, il y a des jeux PC qu'on attend, mais qui vont peut-être être révélés. Il y a des adaptations. Par exemple, peut-être un Splinter Cell, un nouveau Splinter Cell et tout, mais c'est chez Ubisoft. Ouais, il y a je voyais dans le chat tout à l'heure, il y a le Monster Hunter World aussi. Oui, non, mais d'accord, mais j'ai cru que tu avais dit ça. Il y a le Monster Hunter World qui va être adapté aussi sur PC, peut-être qu'on va en voir un peu. Oui, mais si, on verra sûrement des exclus PC, effectivement. Il y en a encore des exclus PC, mais c'est quoi les exclus PC maintenant? C'est des jeux faits par des petits studios qui n'ont pas les moyens de les sortir sur console, qui sortent effectivement des Steam Early Access et qui te sortent, Chivalry, machin truc. Ça intéresse peut-être des gens, hein. Moi j'avoue, je m'en bats les couilles, mais Royal, ça m'intéresse. J'ai l'impression de voir une démo, tu sais, je suis là, bon, c'est bah pas moi fini, j'aime bien, mais je vais pas aller regarder une conf pour ça. Ouais. Genre, je vais aller derp toute seule surtout dans la page. C'est Z-conf, après, il y a un truc que j'ai envie de te dire. C'est que moins on attend de trucs dans une conf, plus elle peut nous. Oui, voilà. C'est vrai. Ouais. Donc, en tout cas, le PC, bah, on verra. Ne peut qu'être mieux. Espoir, pas grand-chose. Voilà, vous pouvez mettre ça. Franchement. Et on s'attend à Age of Empire. Quelle ambiance? Ah, ouais, des images du nouveau Age of Empire. Le 4, là. Ouais, le 4, ouais. Ouais, pas mal. Pas mal. Mm. Espoir et images de Age of Empire 4, pas mal. Et à quoi on s'attend comme ambiance? Bon, ça va être chiant. C'est lent, c'est toujours lent. C'est sérieux et on se fait chier. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Niveau de hype. Plus ou moins que Devolver, ça va être notre base. Moins que Devolver, donc c'est un petit 2, je pense. 2 Petit 2 général. Bah, Devolver, il est c'est à 4. Sur 10, la hype, là ouais. Devolver, il est à 4. Hein. Ouais, Devolver, il est à 4 sur 10. Non, mais sérieusement, 3. Allez, 3. Ouais. Je le mets pas à 2 parce que je me dis. On n'arrive même pas à trouver des attentes, enfin des trucs là, qui pourraient nous. Oui, mais justement. En fait, on trouve cette conf tellement chiante qu'on n'arrive même pas à trouver autre chose comme qualificatif que dire chiante sur la réalité. Ouais, mais tu vois, 3, c'est quand même. Elle a pas tort. Ouais, je suis d'accord. À voir. Allez, 2,87 et. Ouais, soyons honnêtes ici, qui regarderait volontairement cette conf? Moi je l'ai regardée fois. Parce que je les regarde toutes. Mais je regarde Moi non. Est-ce que c'est la conf ou si après... à ce moment-là tu vas te chercher un truc dans la cuisine, c'est pas très grave? Ah oui, oui. Voilà. En fait, moi j'ai un problème, c'est que toutes les confs, techniquement, volontairement, je les regarderai pas, je regarderai juste le résumé. Moi. Alors que là, crois-moi que pendant la conf UBI, hein, tu me parles, je t'insulte. Non, moi je regarde. En fait, je me dis, je préfère avoir le best-of, le TLDR. 20 minutes entre guillemets, j'ai toutes les infos, même si c'est une heure après. Il y en a qui le font. Hein. Oui, non, mais je sais. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je suis vraiment ce genre de consommateur. Ça me dérange pas d'avoir pas l'info à la seconde près où elle sort. Je me dis, si j'ai l'info résumée, mais qu'au moins ça me prend deux fois moins de temps, je suis content. Ouais, d'accord. Bon, allez, hype, vas-y, mettez deux étoiles. Ensuite, et en réalité, qu'est-ce qu'on aura? Je pense qu'on aura vraiment rien. C'est vraiment la pire conf. Si, non, je pense qu'il y aura vraiment, comme a dit Hugo, des trucs VR. Ouais, et je vois vraiment le cloud gaming aussi, vraiment. Genre, je le pressens vraiment. Ok, donc du cloud gaming, de la VR. Ouais. Et de l'ennui. Et des jeux, comme il disait, on espère des surprises. Et grade and review, moi j'ai un peu envie de mettre dans cette dernière case. Surprenant, mieux qu'espéré. Parce qu'en fait, on n'entend tellement rien que je me dis que ce sera sûrement mieux que ce qu'on espère. Je pense que grade and review, c'est à faire après. Parce que là, il était passé au dessert déjà, Max. Ouais, mais non, parce que regarde, Devolver, ils l'ont déjà mis de base. Oui, parce qu'ils préchappent la prédiction. Non, ils préchappent. C'est un troll. Ok, d'accord, si tu veux, on mettra le garde d'un avion. Je pense que ça, c'est le bilan. Tu peux pas faire une review d'un truc qui s'est passé. On verra à la fin. Ça me va. On enchaîne avec Electronic Arts. Ah, FIFA. J'allais dire. Ah non, c'est pas un espoir. Un espoir. On le sait qu'on va l'avoir. La licence ne va pas s'arrêter. L'espoir, c'est un jeu dont qui n'est pas annoncé et que t'espères qu'ils vont l'annoncer. Et Handball 2019. Non, mais water polo 2019. Non, Handball 2019, moi j'espère. Moi j'attends un vrai jeu. Il y avait un jeu de handball là. Oui, mais un vrai. Ah oui. Electronic Arts. En fait, le problème c'est que moi je suis un peu naze en. Je vais pas vous mentir, je suis un peu naze en savoir quel jeu va avec quoi. Donc je me rappelle plus de. C'est ça, EA c'est. Moi EA je connais EA c'est Battlefield. Oui, c'est les jeux de sport. C'est Mirror's Edge. Je veux dire, c'est que ça, on. C'est en thème. Ok, moi je vais te dire un truc. J'aimerais bien le retour des jeux de sport sur les Jeux Olympiques. Ah ouais, je sais pas s'ils peuvent avoir les licences. Mais gros, et tout, c'est trop tard. C'était en 2018. Ce sera pas cette année en tout cas. Oui, mais ils annoncent que ça revienne, tu vois.
Mais ils font ce genre d'annonce en face cette année. C'est tellement pas un truc qui hype tout le monde que. Ouais. En 2016, Rio, pardon. Mais gros, fantastic back-end. On s'en rappelle. Ouais, j'aimerais bien, mais. Ouais, quoi, EA, moi j'attends un gros jeu Star Wars. Moi j'aimerais bien. Il y a déjà des gens qui l'ont rempli, c'est ça? Il y a des gens qui l'ont fait. Du coup, on est perdu là. EA, ils sont pas cool. Ouais, mais. Attends, laisse-nous remplir. Nous êtes, parce que ouais, là, parce que du là, coup, ça va nous influencer. Enlève. Ça va nous influencer. Moi, pour EA, j'aimerais bien un nouveau Sims, parce que j'ai détesté les Sims 4. Et je trouve quand même que c'est un jeu qui touche toute génération. Ouais. Je pense que c'est un jeu cool et accessible. Un nouveau Sims, et pour toi. Ouais, j'aimerais bien un nouveau Sims et avec des trucs différents. Escape parce que là, concrètement, aussi. Le 4, c'était le 3 Sims, en mieux. Mais le dernier Sims, c'est pas si vieux que ça, si. Je crois qu'il a 2-3 ans. C'est récent, hein. Oui, c'est récent. Parce que le truc, c'est que Sims 4, ça a au moins. Mais regarde les Sims 3 quand c'était. Regarde la date. Le truc, c'est que les Sims, ils les alimentent avec énorme. Là, les Sims, ils viennent de sortir une extension qui leur donne les saisons. 2014, 4 ans. Ils ont. Ouais, mais regarde les add-ons. Genre, c'est un délire. Mais les add-ons, regarde la sortie des Sims 3. Ah, mais ça qui alimente le truc. Parce que quand un nouveau Sims sort, il a zéro fonction. Quand le Sims 4 est sorti, tout le monde les a insultés. Ils étaient en mode, ouais, c'est 10 fois moins bien que le 3 et tout. Ils étaient en mode, bah oui, mais les gars, le 3, ça fait 10 ans qu'on le développe. Donc. Et le studio des Sims a fermé d'ailleurs. Maxis ? Ah ouais, ouais. Oui, ça a mais fermé. Ça n'a pas été récupéré par quelqu'un d'autre ? Ah non, ça, vraiment, ça a été fermé. D'où viennent les extensions ? Bah, de. Du disque dur des PC du qui département sont restés marketing, je sais pas, mais c'est plus Maxis en tout cas. Non. Ah non, c'est triste, je savais pas. Ok, bon, ça a sûrement été récupéré, je mais je me rappelle des journées que j'ai passées sur les Sims sur Game Boy. Permis Advance. De sortir. Moi, c'était permis de sortir. Game Boy, permis de sortir, c'était pas mal sur GameCube. Ouais, c'était le mieux. Ouais, mais j'avais pas la GameCube alors. Et ou peut-être un truc genre SimCity, tu vois, un truc de construction City, de ville, ouais, ça m'étonnerait. Après, management sorti il y a pas longtemps, ville et tout. Ouais, mais SimCity, en vrai, ça s'est trouvé horrible. Un nouveau SimCity ici, toi. Un nouveau truc de gestion. Moi, ce sera du Star Wars. Un vrai jeu solo Star Wars avec des combats de sabre qui t'en mettent plein la gueule, avec un vrai gameplay stylé. Le retour du MMO Star Wars, je vois bien. MMO. Ouais. Après, Swatter, genre. Mais après, je trouve... Un nouveau MMO. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de gros trucs. On a Anthem, qui est le gros truc qui va sortir après Mass Effect, parce que maintenant, c'est de la merde. On a Battlefield. Anthem, là, il est jouable, hein, donc ouais, bien sûr. Il faut annoncer autre chose maintenant. Bien sûr, mais on a Battlefield aussi, et ils vont vouloir se justifier de toute la mauvaise com qu'il y a eu autour. J'ai mis d'ailleurs des vidéos, si tu veux, Rizzo, sur le truc. Et donc, je pense qu'ils vont vouloir se justifier de tout le bad buzz qu'il y a eu autour de ça. Ils vont nous parler de FIFA, c'est sûr. Ils vont nous inviter un ballon exclusif, en invité sur une chaise pendant 20 minutes. Ça va être chiant, l'interviewer, ça va être trop bien. Moi, je l'ai vu dans le chat. Ça, c'est Death Stranding, par contre. C'est pas... Non, c'est Battlefield. Ah oui, en effet, pardon. Pourquoi pas choper un FIFA Street ? Moi, je croyais que la licence était cool. Ouais, mais ça, c'est des petits jeux à la con. Oui, mais c'est des petits... Enfin, tu vois, c'est des trucs qui vont faire rigoler. Vraiment, pour donner une échelle. Oui. Ton FIFA Street, il va faire marrer 800 000 personnes. Un nouveau Star Wars solo hyper stylé, ça va faire marrer 5 millions de personnes. Ah, franchement, je vois bien MMO Star Wars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé dans le pour un FIFA Street. Le problème d'un MMO Star Wars, c'est que du coup, ça reprendrait les quêtes, un peu les quêtes des nouveaux films, non ? Qui, eux, n'ont pas eu des succès de fou. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Ils avaient fait Enfin, tu sais, il y avait eu l'histoire avec Starkiller, là, qui était du coup liée à aucun film, techniquement. Ça devait raconter un truc qui était dans un bouquin. C'était OK. On sait qu'ils vont sûrement récupérer le travail de l'équipe de Jad Raymond qui travaillait justement là-dessus, donc pourquoi pas. Peut-être. Il a été annulé le Star Wars, donc pas de chance. Je suis pas sûr qu'il était totalement annulé. Hein. Je pense qu'il a été reboot. Je pense qu'ils ont récupéré le taf, mais il a changé de main, mais je suis pas sûr qu'il était totalement annulé. On en reparlera à l'E3. Et du coup, expectation en termes de d'ambiance, est-ce qu'on va se faire chier ou quoi? Bon, on va se faire chier pendant le sport. Non, on va se faire et chier on aura une temps. Belle surprise à la fin. En vrai, EA, c'est quand même la conf qui est la moins attrayante de tous les éditeurs tierces. Ah ouais ? Je trouve. Ah ouais, franchement, ouais. Souvent, c'est décevant, les confs EA. Oh. Ça va. Oh, Bethesda, j'en attends. C'est longué quand même. Après, c'est pas des gars qui ont la notion du spectacle de base. Non. Donc, mais c'est trop cadré, c'est trop pro. C'est hey guys, we have a new game, super, machin, applaudissements. Et c'est chiant. Alors, à voir. Mais bon, de toute façon, ils vont nous balancer tout dans la gueule. Pour les jeux qui vont sortir, les gros jeux. Mais... Bon, de l'ennui, du gameplay pour. Du gameplay pour Anthem. Anthem. Et peut-être une nouveauté en One More Thing. One More Thing. Ce serait cool, une petite. Un petit truc hypé, tu vois. Petit Kotor, ouais. Moi, je reviens rapidement sur PC Gaming Kotor, Show. Kotor, c'est pas pareil que Star Wars. Star. Il est 18h08. Hein. Oui, pardon. Non, mais sur PC Gaming Show, je verrais bien une expérience VR Star Wars. Pour un truc annoncé. Ah ouais, ouais. En plus. Bah, ouais, comme va, tu dis. Peut-être. CIA, ouais, peut-être. Mais une vraie licence, tu vois. Ouais, mais EA n'a pas encore annoncé qu'ils étaient au PC Gaming Show. Donc, À voir, les gars. Faut qu'on accélère parce que. Ouais, on enchaîne. Hype pour Electronic Arts. Bon, 5, 6. 4. Ah ouais, 4. Non, attends, moi je mettrais un petit 5-6 aussi. Ah, c'est sur 10. C'est toujours sur 10. Ouais, ouais. Moi je m'en fiche en vrai.
Enfin, BF, je sais que je vais y jouer de toute façon. Balek, pour moi, c'est un bon 3. Quoi. Mais moi, et Anthem me dit pas du tout. Ils ont plus de moyens de nous faire des petites surprises ouais. s'ils ratent pas le coche. Mais bon, après, c'est pas des gars qui sont connus pour prendre okay. le coche. Ouais, j'avoue que j'attends 5, 6, beaucoup Anthem, donc forcément, j'ai plutôt tendance à mettre 6. Bon, 5-6, toi, tu t'en fous. Moi, là-bas, pas, on s'en fout un peu. 4. Zoulou ouais. Je vais mettre 4 ou 5 par défaut. Bon, bah 5, hein, le consensus veut que ça aille plutôt par là. Ah ensuite. Ubisoft. Bon, Reality, on verra après. Ensuite, Ubisoft. Rayman. On verra après, t'as dit Rayman. Non, mais on verra après les confs. Ah oui, oui. Ce qui est en dessous de Hope, de Hype, on verra après les confs. Ubisoft. Bah, moi, je veux une aventure Rayman. BGE, de toute façon. Ok. Un mini vidéo. Ouais, mais en 3D. Ouais, ouais. Moi, genre le All-In. Le Rayman, tu vois. L'ultimate. Le quoi ? Un jeu Naruto. Non, je... je veux un nouveau Splinter Cell. Ah, ouais. Ouais, mais ça, c'est annoncé. Donc, Ouais, mais je veux un. Ah, c'est confirmé ? Bon. Oui. Non, c'est un jeu surprise. Avec Sam Fisher ? Ah. Non, mais je m'en bats les couilles. Les leaks Walmart, ils sont vrais, les gars. Donc, en fait, le Splinter Cell, on le sait, on va l'avoir. Je m'en bats les couilles que ce soit Sam Fisher ou mes couilles au bord de l'eau. Je veux juste que ce soit un bon Splinter Cell. Ouais. Splinter Cell, mec, c'est trop bien. Bah, ont, franchement, droit. Lequel a été mauvais ? Non, mais aucun. Mais juste, ça fait longtemps. Moi, les derniers, même quand ils ont apporté la partie action où tu pouvais cibler les mecs et faire. Moi, je préférais les vieux. Moi, je préférais les vieux Pandora. Les deux, trois premiers étaient cool. Où tu pouvais écarter les jambes. Ah, bah. Oui, bah, ça, forcément, c'est le jeu qu'on attend. Je l'ai mis dans le tricard. Mais du gameplay. Mais. Ce qu'il y a, c'est que. Ouais, je l'ai mis parce que je voulais en parler un peu. Ce qu'il y a, c'est que. Ils nous en ont montré du gameplay. Bah, ça ressemblait déjà à ça il y a quelques mois. Où ils nous disaient c'est leur programme avec les Space Monkey ou je sais pas quoi. Space Monkey. Et j'attends énormément de ce jeu parce que le 1 était énorme, je l'ai refait plein de fois et tout. Mais je me dis, mais putain, mais ça doit être un tel bordel. Et je pense que ça peut tellement facilement se casser la gueule au final et que ça ne marche pas assez. Parce que le jeu, en vrai, à part nous français, je sais pas trop si ça s'est bien exporté. Je crois pas que. Il a quand même l'air de leur succès. Il y a eu des petits claques, hein. Il y a eu des petits claps hein, l'année dernière. Oui, oui, bien sûr. Mais je crois pas que ça s'est aussi bien exporté à l'étranger en fait. Ah mais le 1 c'est très mal vendu. Ouais voilà. Il a eu un très bon succès critique partout dans le monde, mais juste les gens l'ont pas acheté parce que peut-être pas assez de com, peut-être que la jaquette donnait pas envie. Tu sais, tu vois une meuf avec un appareil photo à une époque où peut-être les gens ils voulaient des guns. Ouais. Tu vois c'est pas des conneries comme ça. J'ai juste peur en fait pour ce jeu que ce soit un pétard mouillé alors que ça mériterait tellement quoi. Donc à voir. En fait c'est le problème de sortir des trucs qui ont beaucoup plu aux fans mais qui n'ont pas beaucoup vendu parce que bah, c'est très très attendu par les fans, donc ceux qui sont fans ils vont peut-être dire ah mais c'est pas ce que j'attendais et paf et ceux qui sont pas fans de base ils vont s'en foutre parce qu'ils vont voir un 2, ils vont se dire bah j'ai pas joué au 1 donc, ouais, c'est vrai. En vrai il y a pas mal de gens qui sont aussi attirés par la hype hein. Ouais, moi, c'est sûr mais le fait que ce soit un jeu maudit qui a été annoncé à l'E3 2009 puis après on n'en parlait plus pendant 10 ans c'est un peu triste quand même. Et puis tu te dis pourquoi les gens se hype, c'est que ça doit être bien. Donc du coup, tu te dis, allez, je vais m'y intéresser. Mais en jeu dont on ne sait rien, on n'a aucune info dessus, ou peut-être une licence du Prince of que vous connaissez que vous aimeriez voir revenir. Prince of Persia. Un Prince of Persia, c'est pas con. J'en doute beaucoup avec Assassin's Creed, puisque ça. Ouais, je sais, mais j'aimerais bien qu'ils annoncent la fin d'Assassin's Creed. Ça arrivera pas, mais ce serait cool. Genre qu'ils passent à autre chose. Alors, tiens, si Hope, en vrai, Hope, pour changer un peu, moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'Assassin's Creed cette année. Oui. Ah. Parce que ça voudrait dire qu'ils prennent le temps pour que le prochain soit meilleur. Ouais. S'ils refont des Assassin's Creed annuels, c'est un cauchemar. Donc ça va redevenir de la merde. Déjà que le dernier n'était pas aussi bien que ce qu'ils annonçaient. Bon, j'aimerais bien que. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se poser la bonne question aussi parce que l'année dernière, ils ont présenté beaucoup de nouveaux projets. Et je pense que cette année, ils vont se reposer sur ça. Ils vont annoncer le Splinter Cell et on va rien voir d'autre. Tu penses ? Ouais, je pense. Bah écoute, en tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord, moi je mettrais ça comme espoir, c'est pas de Assassin's Creed. Pour changer un peu. Moi oui, j'avoue que je préférais voir un Prince of Persia qu'un Assassin's Creed. Et ce serait cool qu'ils fassent un Prince of Persia en mode God of War, on a vu qu'ils ont bien ils ont réussi à bien faire le turn là-dessus. Ça fait longtemps que la licence a disparu, maintenant les technos et là ils ont moyen de faire un héros qui est stylé parce que le héros de base est super classe à part dans le dernier parce que c'est plus la merde. Ah non, moi j'ai bien aimé le dernier, si on pouvait pas mourir. Oui. J'aimais bien. Moi, mon préféré, c'est le premier et le deuxième qui était grave cool. Et bon. Mais à voir, franchement. Très bien. Cool. Bon, on verra du coup pour Ubisoft. Alors, à quoi on s'attend comme ambiance dans la conf Ubisoft ? En général, c'est bien, c'est pas mal, ça va faire le show. Ouais. Si, il y a toujours le petit moment. Cringe. Oui. De Just Dance. À chaque fois, il te ramène un Just Dance. Oui. T'as un mec qui vient, il fait une choré et puis il s'en va. Il fait ouais, il y a toujours un Just Dance cette année. Allez, next. Je me demande s'ils vont parler justement du Just Dance. Puisque c'est. Alors, je dis peut-être des bêtises parce que j'ai pas les stats, mais il me semble que Just Dance est beaucoup plus populaire sur la Xbox que sur les autres trucs. C'est utilisé sur la Xbox avec la Kinect pour les compétitions et tout.
Sauf que Xbox arrête la Kinect. Ouais. Enfin, le Kinect. En fait, déjà arrêté. Ouais. Ils ont déjà prévu le truc, c'est-à-dire que maintenant, Just Dance se joue pas mal avec le téléphone. Ouais, parce qu'en fait, ceux qui jouent sur Kinect, c'est les gens qui tryhardent de ouf. Et en fait, c'est pas du tout la majorité des gens. Donc, ouais, mais je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur Wii. Oui, mais pour les gens qui ont la Xbox, j'aimerais bien savoir comment on fait dès qu'il n'y a plus Kinect. Il y a un adaptateur qui permet Si dans deux ans le Kinect n'est plus commercialisé, le Just Dance de deux ans, il ressemblera à quoi? C'est déjà plus commercialisé. C'est sur Switch maintenant, ouais. Bah, soit tu utiliseras... Oui, ils commercialisent plus les Kinect. Ouais. Soit tu utiliseras ton téléphone, et puis tant pis, tu feras avec. Soit ils feront leur propre caméra, qu'ils vendront en bundle. Ils vendront soit le jeu, et tu peux acheter la caméra en plus, si tu veux des détections plus précises, plus malades. Le high-tie. Voilà. Ah, c'était terrible, trop bien, mais bon, mais bon, en général, ils savent mettre le feu, donc ça, c'est en général pas la conférence où on se fait le plus chier. Hype. Ouais, bon. Bah, honnêtement, bon. 7. Attends, hein, on parle de quoi là? Bah, ça, je veux voir Beyond Good and Evil. Ouais, mais bon, on va rien voir. Je veux voir Splinter Cell. On va rien voir. À part Division, non, mais en vrai, Division 2 et Splinter Cell. Il y a Skull and Bones, il y a The Division 2, il y a Splinter Cell, il y a Beyond Good and Evil 2. Rien que ça. Pour moi, juste Splinter Cell mérite un petit 7. Ouais, je suis d'accord. Si je vois du gameplay et que le mec est comme ça, en train de prendre some shots entre deux murs, c'est validé, c'est 7. C'est 7, et voilà. De toute façon, les jeux que j'attends, c'est Splinter Cell et Spider-Man. Donc. Ah, moi, je boot, je mets 6. Ok, si. En fait, pour moi, c'est difficile parce que je suis pas trop triple A. Ils font pas les jeux que t'aimes, toi. Toi, je suis plus kiffé par une annonce de Skull and Bones, limite, tu vois, que des grosses licences. Après, que des gros trucs. Ah ouais. Voilà. Ils font Dofus aussi, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Skull and Bones qui arrivera peut-être d'ailleurs à faire ce que Sea of Thieves a raté. On verra. Ouais. Non. Je veux dire, moi, j'attends plus quelque petites licences, des petites licences et, qui vont me faire kiffer plutôt que des gros trucs. Un Xème épisode de Tell Me. Regarde le PC. Je vois dans le chat Watch Dogs, mais c'est le truc à pas faire. Ah, c'est vraiment le truc que j'attends pas du tout. Non, mais c'est le truc à ne pas faire, en fait. En vrai, j'ai bien aimé, moi, Watch Dogs 2. Le 2 était cool, mais ce qu'il y a, c'est que... Je juste dit, il n'y a aucune innovation. J'ai l'impression de jouer à un GTA où tu peux comment hacker les trucs. C'est juste un mode de GTA. J'ai trouvé le jeu sympa, mais j'ai pas fini. Non, mais faut pas qu'ils mettent ça là, parce qu'en plus, il y a des nouveautés s'ils veulent vendre leur truc. Après, Shadow of Mordor. En fait, ils ont déjà tellement de trucs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est intérêt que ce soit solide. S'ils veulent faire un One More Thing derrière Skull and Bones, Splinter Cell, Beyond Good and Evil 2 et je sais plus lequel que j'avais dit. Putain, t'as intérêt que ce soit solide, sa race. En plus, ils veulent parler de For Honor aussi, qu'ils veulent relancer. Oh là. Je sais pas comment. Oh là, Il y aura un truc sur For Honor. Je sais pas exactement quoi, mais il y aura avec un truc. Peut-être une nouvelle. Mais un truc un peu plus que juste une map. Hein. Vraiment une nouvelle licence aussi. Hein. Je sais pas. Non. For Honor 2, Rayman BR. ça pourrait être très drôle avec le box. Au début, tu commences sans bras et avec tu ramasses un point. Et... Non, mais peut-être ils peuvent annoncer des remasters des vieux en 3D, ce serait cool. Hein. Le 3 en 3D. Regarde des trucs comme ça. Mec, on va voir. Bon, allez, Bethesda. Bon, Bethesda. Bethesda, c'est bien. Tiens, mais on va changer, on va commencer par elle. Mais en fait, j'étais en train de me dire, Bethesda, je sais pas ce qu'ils font de base. Donc, Bah, Doom et Elder Scrolls. Wolfenstein. C'est que des trucs auxquels je joue pas. Doom. Doom, Wolfenstein. J'ai pas d'attente. Ah non, ils font même plus Rage. Pas d'attente, rien du tout. Dishonored. Mais si, c'est eux qui éditent. David Wisin. Rage 2, c'est eux les éditeurs. Wolfenstein. C'est Avalanche qui développe. Ça veut dire que c'est Avalanche développe Rage, développe. Qui est édité par Bethesda, et Avalanche développe les différents Just Cause qui, eux, sont édités par Square Enix. Bah, peut-être. Ok. Il y a peut-être des sous. C'est beau d'être libre. Moi, j'avoue que je suis pas un joueur de Elder Scrolls, donc je m'en carre un peu. Qui est dans les jeux Bethesda auxquels j'ai joué, Dishonored, c'était pas mal, mais. Fallout, je suis curieux. J'attends rien du film. Mais surprenez-moi. Quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est en mode. Après, ils ont pas. C'est pas une énorme conf Bethesda par rapport à un truc genre comme. Sony, Microsoft. Oui. Ouais, c'est un peu moins gros. Quoi. J'avoue que Bethesda. Je suis en train de regarder là sur leur page wiki de leur licence de jeu et tout. J'ai joué à aucun de tous leurs jeux. Ah ouais. Donc Fallout, Elder Scrolls, c'est pas des trucs qui Dishonored, tout ça. J'ai des trucs Rogue Warrior, Doom, j'ai joué vite fait, mais c'est pas mon. Ouais, il y a The Evil Within, mais ça m'étonnerait qu'ils en parlent d'un nouveau. Et d'ailleurs, on a une news qui vient de tomber, Max. Je sais pas si t'as vu. Bah, je sais pas, dis-moi. À propos des studios Avalanche, ils viennent de se faire racheter. Oui. Ça, j'ai vu racheter par un studio de cinéma, Nordisk Film. Ah ouais. D'accord. C'est Nordisk Film, ça existe depuis hyper longtemps. Donc les mecs ont les reins très solides. Ils ont dépensé, là vous voyez, 90 millions d'euros. Waouh. Donc ça va permettre aux devs, en gros, d'avoir les reins solides pour les jeux qui sont à venir. Et en gros, la firme là, Nordisk Film, a annoncé qu'ils ne touchaient pas à la société. C'est-à-dire, maintenant vous nous appartenez.
Et vous faites mais vous faites bien votre travail, juste continuez à le faire. Mmh, okay. Donc, a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, à voir dans le temps ce que ça donnera. Bah, peut-être une nouvelle bon, licence. Bon, du coup, un jeu pour Bethesda, quand même, qu'on puisse remplir les cases. Bah, je vois bien une nouvelle licence faite par les mecs qu'on fait prêt, Arkane Studio, Dishonored. Je pense que Dishonored, c'est bien essoufflé. Mmh. Prey, c'était pas mal, mais ça, je pense pas que ce soit si bien vendu. Ouais. Et peut-être faire un nouveau jeu vraiment avec des nouvelles mécaniques parce que même près Dishonored de près de loin c'est des jeux ouais, qui un teaser pour le prochain Arkane Studio ouais. Ouais. Ça pourrait être cool effectivement. Zul, une annonce d'un nouveau Elder Scrolls quoi, enfin je veux dire une oui, préparation ouais, ouais tout le... en fait c'est ça Ops si on s'en tient à ce que met Devolver c'est ça c'est Ops nouveau Elder Scrolls mais clairement tu l'auras pas quoi tu pourras mettre dans Reality pas d'Elder Scrolls quoi c'est... A priori, à peu près certain. Expectation. Ah mais attends, c'est eux qui font Métro. Je viens de voir dans le chat. C'est eux qui font Métro. Non, c'est pas Bethesda. Ils font quoi? Est-ce que c'est Bethesda qui édite Métro? Ouais. C'est pas écrit dans la liste Wikipédia. Ouais, donc c'est pas eux. Non, je sais plus comment ils s'appellent les devs de Métro. De toute façon, ça c'est Microsoft. On en parlera après. Ouais, j'ai des doutes. Mais non, bah Expectation, je pense que. Enfin, moi, l'effet que ça m'a fait les différentes conférences Bethesda, c'était. Oh, on annonce ça! Et t'as tout le monde qui est en mode. Back. On bat les couilles. Pour Doom, c'était vraiment hypé. Il y avait un jeu VR Stuart Little l'année dernière. En fait, j'avais annoncé Fallout. Il a fait le buzz avec un double Z. En fait, ça, j'ai l'impression que Bethesda, tu sais, il y a un petit noyau de core fans Bethesda qui adore les Elder Scrolls, qui adore les Fallout. Et genre, dès qu'ils annoncent un truc, tout le monde est en mode. Trop bien. Et puis t'as, entre guillemets, tous les autres qui sont en mode. Ouais, encore un jeu buggé, quoi. Waouh, ça tire à balles réelles. Non mais c'est pour le coup ça c'est une réputation qu'ils ont depuis un moment tu vois genre on a l'habitude de dire que les jeux Bethesda c'est des jeux qui sont finis par la communauté de modeurs donc c'est quand même pas ouf quoi. Un peu comme Minecraft. Hype. 5, 6. Hype 0 parce que j'attends rien donc 0. Enfin moi je peux pas être hype d'un truc où je joue pas au jeu. Ouais, je suis aussi hype que Devolver, je dirais 4. Ouais, 4 aussi. Moi je dirais 5 pour être poli. Pourquoi on y va? Moi, je suis après, ils vont peut-être nous annoncer une nouvelle licence, tu vois. Mais moi, je vais un vrai gros truc, tu vois. Pour un truc, c'est. Enfin, non, pour deux trucs. Spider-Man. Pour voir Spider-Man, pour voir Smash Bros. Et pour voir un Splinter Cell, quoi. On y vient. Enfin, j'y vais pas que pour ça. Parce que Xbox. J'ai aussi quelques bises. Ah, Xbox, j'ai envie de parler d'un truc. Alors, vas-y. Parce qu'il y a un jeu indé. Moi, j'adore genre tout ce qui est Limbo, Inside, etc. Et là, j'ai mis la vidéo, Rizzo, si tu veux la mettre. C'est The Last Night, ils l'ont annoncé, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Mais je trouve que niveau ambiance, ça enculait même tous les AAA qu'ils avaient annoncés. Oh, c'est français ça, c'est le truc en pixel art. Oui, il y avait eu un petit drama aussi avec le dev du jeu ou je ne sais pas. Mais niveau ambiance, musique, niveau taf sur le visu et tout. Taf. Bon d'accord, c'est du pixel art, mais bon, vous voyez bien que ce n'est pas fait avec le cul, c'est vachement joli. J'attends vraiment de ça. Mais c'est quoi comme style de jeu? C'est un jeu indé en pixel art. Ça doit être certainement du RPG, oui. Ou alors un petit jeu comme Inside. Certainement plateforme, aventure, action. On ne sait pas trop ce que c'est encore, mais le projet a l'air vraiment cool comme ça, niveau visu. À voir ce que ça donnera niveau gameplay. Mais ça, j'en attends vraiment beaucoup. J'avoue que c'est beau. C'est très beau. Et la musique est super cool en plus. Donc, Refuel, en plus, c'est un nouveau studio. Donc, à voir. Ils avaient fait, en fait, si vous voulez, au départ, c'était un jeu qui a été fait en 24 heures, je crois, qui était un jeu flash sur navigateur. Et ils ont pris des éléments qu'ils avaient fait pour le jeu. Ils se sont dit, putain, on va faire un truc complet. En fait, c'est pas qu'en pixel, c'est vraiment un mélange. Non, il y a de la 3D. De 2D, 3D, pixel art. Il y a une vidéo qui est sortie sur IGN, le YouTube, sur le IGN américain, où ils expliquent le procédé, comment c'est venu et comment c'est travaillé, comment ils amènent le truc. Donc vraiment, intéressez-vous à ça, ça a l'air vraiment prometteur, donc à voir. Yep, je suis assez d'accord, ça a l'air vraiment, vraiment stylé. Moi, en espoir pour la conf Xbox, j'aurais bien aimé une amélioration, alors je ne saurais pas exactement comment, hein, mais une amélioration du Xbox Game Pass, tu vois. Ou Pentaro qui avait dit ça sur son Twitter, et j'avais trouvé ça vraiment bien. Annonce du Xbox, du jeu en ligne gratuit. C'est-à-dire que tout le monde joue en ligne avec le Xbox Live Silver, tu vois. Et qu'en gros, après, tous les avantages du Xbox Live soient mis dans le Xbox Game Pass, en fait. Ouais, ok. Comme ça, t'as tout d'un coup. Genre, tu payes tes 10 balles et t'as vraiment. T'as presque plus besoin d'acheter de jeu, en fait. T'as plus besoin d'acheter de jeu. T'as ta Xbox, tu te payes ton abonnement et c'est parti, quoi.
Ça, je trouverais ça vraiment bien. Ça mettrait un petit coup à la concurrence. Ça les forcerait aussi. Ça forcerait peut-être Sony à rendre enfin son PlayStation Now intéressant. Parce que pour le moment, PlayStation Now n'est pas intéressant. Testé, mais c'est horrible en plus. Il le sera peut-être un jour, mais pour le moment, Sony n'a aucun intérêt à rendre son PlayStation Now intéressant, puisqu'ils sont leaders sur le marché. Donc pour le moment, ils pissent sur tout le monde. Ça ne durera peut-être pas, et à ce moment-là, on les verra peut-être faire un effort. Ouais. Mais pour le moment, c'est vrai que Xbox, je trouve, a fait un move vraiment chouette avec le Xbox Game Pass. Voilà, juste s'ils peuvent faire grossir ça, mettre un catalogue de jeux plus gros et des avantages plus intéressants pour que, entre guillemets, toute la communauté Xbox ait ça devienne une évidence pour eux de s'abonner parce que c'est vraiment trop intéressant. Et que du coup, quand tout le monde est abonné et que du coup tout le monde a les jeux dès leur sortie, ça contribue aussi à faire grossir la communauté parce que du coup, ce Sea of Thieves qui vient de sortir, tout le monde va dessus parce que tout le monde l'a, parce que tout le monde a Xbox Game Pass. Et du coup, ça crée une communauté, ça fait marcher le jeu. Puis à un moment, il y a un autre jeu qui sort et pareil, tout le monde va dessus parce que tout le monde l'a. Ça rend entre guillemets free to play tous les jeux Xbox, tu vois. Pas free to play parce que tu as l'abonnement. Mais du coup, ça donne la potentialité d'avoir tous les joueurs Xbox sur les jeux dès leur sortie. C'est hyper important, notamment pour le multijoueur. Et c'est le cœur de ce qu'on vit en ce moment, c'est que tous les jeux sont multijoueurs maintenant. Le business model est viable, quoi. Même si ça ne l'est pas, c'est Microsoft. Ne serait-ce que pour reprendre des parts de marché, ils ont les reins assez solides pour assumer derrière. Ils balancent à fond les exclus, hein, parce que c'est leur point faible. J'ai mis une vidéo aussi, Crackdown 3, qui était un jeu qui était sur Xbox. Qui était le 1 et le 2 qui étaient sur Xbox 3.6, qui étaient des bons jeux en vrai. Mais le 3, maintenant, il a été, selon des rumeurs, repoussé encore à 2019. Maintenant, c'est un jeu au final qu'on va oublier et qu'on ne va plus attendre du tout, parce qu'il n'y a plus, aucune hype. Et ça m'étonnerait pas que le jeu... Un petit Halo 6 Ce serait trop, non? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'Halo, gros. Ouais. Ça fait vraiment longtemps. Moi, je pense qu'un petit Halo, là, il est temps. Halo, c'est l'une des meilleures licences exclues Xbox, quoi. Enfin... Ouais, mais ça fait très longtemps qu'un Halo n'a pas marqué les esprits. C'est-à-dire que pour moi, t'as 1, 2, 3, et encore déjà, le 3, ça a commencé à se dire dans les oreilles que c'était moins bien que le 2. Ouais. Ils ont besoin d'une grosse licence qui ramène du monde et tout. Faut un gros truc qui tabasse en multi. Ils ont Sea of Thieves, mais bon, ça manque cruellement de contenu. On a déjà fait le débat, on va pas le refaire, quoi. Mais s'ils annoncent une reprise en main de Sea of Thieves. Et puis Sea of Thieves, ils ont déjà annoncé la mise à jour à venir. C'est pas très excitant. Par contre, je pense à ça, c'est que si maintenant, avec la nouvelle vision de Microsoft, ça veut dire que si un nouveau Halo il y a, ça veut dire que ça sortira sur PC. Ouais. Et ça, ce serait cool. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est très très cool. Ce serait une plus-value. Bon, Expectation. Ils vont parler de Minecraft en 5K aussi, c'est sûr. Expectation. Franchement, c'est sûr. Du gameplay. Moi, j'aimerais bien qu'ils refassent toute leur interface Microsoft. Ah oui. J'avoue, l'interface, elle pue la merde. Ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment le truc le moins intuitif de la planète. C'est un one click to go MDR. c'est un 27 clics. Juste ça. Genre, je leur demande pas de jeu. Je fais l'effort, je leur demande pas de jeu, mais juste, sois pas dégueu, quoi. Arrête tes conneries. Je me souviens quand on a voulu faire Red Dead Redemption, qui est un jeu du coup rétro-compatible. Gros, on voulait payer le jeu. On a voulu l'acheter. On ne pouvait pas. Il a fallu aller l'acheter en démat. Et en fait, c'est normal, tu vois, mais au moment où tu cliques pour l'acheter, il t'envoie sur un autre truc qui lui-même t'envoie sur une page web. C'est-à-dire, t'envoie sur un navigateur sur sur ta console. C'est-à-dire que tu te retrouves avec le curseur comme ça, avec ta manette, t'es en mode, mais gros, sérieusement. Et que là, il faut que tu rentres ta carte bleue et ton machin. Et à la fin, quand tu as tout rentré, il te dit... Ah bah non, on ne peut pas acheter, vous n'avez pas de compte Xbox 360. Et t'es en mode, attends, j'ai essayé d'acheter un jeu sur Xbox One parce qu'il y a la rétrocompatibilité, et tu me dis que parce que j'ai pas un compte 360, je peux pas. Mais... Non, c'est horrible. Allô les gars, des fois, le retour de mais c'est un cauchemar l'interface Xbox. Et je dis ça vraiment en fanboy Xbox. J'ai toujours kiffé la marque Xbox. Actuellement, je suis obligé Maximum, de jouer à du PlayStation parce que c'est les meilleurs sur cette génération. Mais jusqu'ici, j'ai toujours préféré Xbox. Mon pseudo de base, c'était Maxbox quand même. Je travaillais sur des sites Xbox. Donc, c'est vraiment mon focus. Xbox. Et du coup, je suis très malheureux en vrai de les voir faire de la merde en ce moment. Et du coup, je leur souhaite de réussir à se reprendre. Et peut-être à ce 3-là, en tout cas, ce serait vraiment chouette. Donc, c'est pour ça que quand je dis critique, c'est vraiment à contre-cœur parce que. Ah oui, des fois ils font de la merde et ça fait chier. Est-ce que t'aimerais qu'ils en fassent pas, quoi? Bon, oui. Hype. Bon. Hype, non mais. Curieux. Je suis DSL, hein, mais moi je suis un. T'as One Trick Pony. Je suis un peu un One Trick Game, quoi. Donc là, moi, zéro hype. Mais après, moi en fait,
j'ai pas de hype, j'ai... mais en fait de base je suis pas hypé par les trucs. Oui, toi t'es hypé. Genre, j'attends de voir et une fois que ça sort, je me dis ouais c'est cool ou pas. Mais même pour Avengers, hein, la hype était en mode bah j'attends de le voir, tu vois. Donc moi, c'est plutôt l'inverse, c'est que j'ai pas de hype, mais sur le moment je vais être en mode oh putain ils sortent ça, parce que je, en fait je me hype pas au préalable sur des trucs que je connais pas trop trop. Mais quand ça va sortir, de voir le trailer, vu que je suis Yankee, ça va me donner envie potentiellement d'y jouer et ça va me hype de voir les gens hype autour, tu vois. Okay. Sur l'instant, tu vois. Donc, s'il y a des annonces comme par exemple Beyond Good and Evil 2, tu vois, j'ai pas joué au 1. Et pourtant, bah, quand il y a eu l'annonce, c'est ce que disait Rizzo tout à l'heure, quand il y a eu l'annonce, tout le monde était ultra hypé et du coup tout le monde en parlait. Ouais, ouais. Et ça recréait de la discussion autour d'un jeu qui m'était passé au-dessus de la tête. Et c'est ça que je trouve cool. Donc il y aura, je suis pas hypé, mais. Fort probablement, la présentation de Cyberpunk, si du gameplay il y a, pendant la conf Xbox. Quand tu vas arriver, qu'ils vont dire. En 2020. Ouais, sûrement, mais. Non, tant en pis, vrai, si on peut voir un peu, ce sera déjà bien. Pas. Je sais que t'as envie, mais non. Ah bah, ils ont quand même un stand. Ils ont un stand CD Projekt sur place. Ils ont rien d'autre à montrer. Un stand avec donc, des punks. A priori, ils vont en parler quand même. mais c'est surtout que tous les autres jeux de CD Projekt ont été présentés pendant les confs Xbox. Ouais. Donc okay. Il est fort probable qu'on voit Cyberpunk pendant la conf Xbox. Et surtout qu'eux n'ont pas de conf à eux. Ouais. Hype Zulu, pas du tout, passons, sans pas les couilles. Ouais, moi je suis curieux. Curieux, bon, curieux. Du coup, on part sur quoi, 5, 6 ? Plutôt 6, ouais. Plutôt 6, 6 et demi. Ouais, vas-y, 6, parce que c'est... Allez, 6, c'est parti. Sony ! Ah. Oui ! Allez, Spider-Man, suite... Kingdom Hearts ! Mais arrête avec Spider-Man, ça se trouve, ça va être... Alors, Kingdom Hearts, on est sûr. Kingdom Hearts 3. Il sera, le 3. Ouais. Spider-Man, bon, on le sait, mais bon, voilà. Limite, mais j'espère en voir le moins possible de Spider-Man parce qu'au bout d'un moment, ça me sera j'ai envie de le découvrir aussi. Moi, je veux voir du vrai gameplay. Moi, je veux juste le game et faire tchut. Et en fait, quand ils vont me voir, faire tchut, ils vont faire. Mais. C'est que The Right, tu es Spider-Man. Generic. Sony Prediction, on vous veut pour le prochain Spider-Man, l'homme araignée. Bon, un jeu Sony qu'on aimerait voir annoncé. Spider-Man, la suite. Crash Bandicoot, Crash Team Racing. Ouais, c'est pas con. Kingdom Hearts 3 et qu'ils sortent. Et qui que le jeu sorte. Qu'ils prennent tout le monde à contre-pied, qu'ils annoncent un Spyro, mais un vrai. Pas un remake. Non, c'est mort. Oh. Bah, ils tâtent le terrain avec Crash, de toute façon. Ils vont déjà tâter le terrain. Ils vont tâter avec Crash, ils vont attendre. Est-ce qu'ils vont pas annoncer des nouveaux accessoires pour le PlayStation VR, des trucs comme ça ? Non, mais on s'en fout. Oui, on s'en fout, mais est-ce qu'ils vont pas le faire, tiens ? Est-ce qu'ils teaseraient pas un Destiny encore, ça se trouve ? Non, mais non, mes frères. Enfin, une nouvelle EP de Bungie. J'avoue que Sony, je pense qu'il y aura des. Ah bah si ! Du gameplay d'FF7. Oh, alors ça par contre. Ah non, c'est ça. Des fans de Final Fantasy dans le. Ah d'accord, il n'y a que moi. Bon, bah, ouais, le truc, c'est que. En fait, Sony, ils ont présenté tellement de choses là. Ouais. Ils ont tellement tout balancé que je ne sais pas trop ce que j'attends d'eux. Moi, j'attends juste Death Stranding. C'est le truc. Ah oui, Death Stranding, j'avoue. Ah, oh, moi, okay. C'est Spider-Man. Et je pense qu'ils vont. J'ai suivi un petit peu. Alors. L'actualité, ouais, de, oh oui, oh l'actualité de No Man's Sky ces derniers mois. Bloodborne 2, pas con. Ouais. Parce que No Man's Sky, c'était quand même le flop de ces 10 dernières années. Multi, mais ça pue. Et apparemment... Il y a le mode multi maintenant. Ouais, apparemment, il est pas dégueu. Maintenant, oui. Ça fait un peu le même effet que Ark, qui à la sortie était crotière et maintenant est vraiment bien. Dark Age of Camelot, peut-être qu'ils vont essayer de le... Non, mais tu vois, peut-être qu'à la conf Sony, ils vont essayer de le... De le ré-hyper. Bon, moi, je suis pas ils vont essayer tout, de ré-hyper For Honor, personne va y jouer quand même. Enfin, ouais, on verra. DSR, j'avais oublié, mais Bloodborne 2, le chat me l'a rappelé, mais ouais, la nouvelle licence de From Software. Moi, je suis fanboy de DS Bloodborne, donc j'attends vraiment. Mais apparemment, ce serait pas Bloodborne, ce serait ni DS, donc je sais pas. Bon, on verra ça. Zul, t'entends rien ? Non. Ouais, ok, énorme, mec. DSL, Sony, t'es pas hypé. Bah, c'est pas des licences qui te plaisent. Quoi. Attends, moi c'est la seule conf où j'ai. Oh, si j'espère vraiment y aller. Quoi. Un espoir que j'ai. Vas-y. Une nouvelle console portable de ce jeu. Ah oui, bah, oh j'en parlais avec Shikuki. Mais une nouvelle console. Une vraie, voilà, la PSP 3, quoi, genre une nouvelle, complètement nouvelle. Est-ce qu'ils vont. En surfant, tu vois, sur le délire de la Switch, avec un truc, on dit sur cette nouvelle console portable, vous pouvez jouer à tous les jeux PS4. Ouais, mais le problème, c'est est-ce qu'avec la Switch, qui est quand même double utilisation. Ouais. C'est pas risqué de la part de PlayStation de déjà partir sur le créneau uniquement en portatif. On sait comment a fini la PS Vita et tout. Ouais, mais la PSP, c'est très bien. Attention, la PS Vita, elle marche très bien au Japon. Hein. Ouais. Après, là, il y a le cloud gaming qui commence à... On a ça. Ah. On a la Switch qui a vachement bien marché. Peut-être qu'ils vont annoncer une nouvelle console hybride. Une console comme la Dreamcast n'était pas une nouvelle console. C'est juste qu'elle est peut-être sortie trop tôt, à un moment où les gens n'avaient pas tous une connexion, ou je sais pas, ou peut-être des soucis de com ou autre. Mais c'était pas une mauvaise console. C'est pas parce que t'as fail
à la sortie d'une console qu'elle était mauvaise et qu'il ne faut pas la refaire. Des fois, c'est juste, tu la ressors 5 ans plus tard et elle marche, tu vois. C'est regarde juste, la mère de Max. Elle a fait. Ouf. On a, elle a attendu un petit peu, puis finalement, elle l'a gardée. Quel enculé. Enfin bref, ouais, voilà, ça pourrait être un truc sympa de chez Sony. Tiens, une nouvelle console. Parce que la PS5, oubliez, hein, ils n'en parleront pas. Ah, peut-être qu'ils feront parce que s'ils en parlent, ça va faire baisser les ventes de la PS4. Ils vont faire, ils ont We are prout, intérêt à le faire. Non, à mon avis, à la fin, ils vont faire We are prout to announce a new thing, et puis ils vont mettre juste le 5, bord de la console. Ils vont mettre a new. Non, mais non, ils peuvent pas faire ça. S'ils font ça, ouais. Bah parce que les gens, du coup, vont attendre la 5. Donc, oui, mais sauf s'ils mettent bon un 5, et après ils mettent un 2, un 0, un 2 et un 4. Ils ne sauront jamais. 2024. Et là, pff. Wait. Très bien. Bon, on verra. Ouais, une console portable, ça pourrait être vraiment chouette. Hype. Ouais. Ouais, de ouf. Bah oui, moi je veux jouer à Spider-Man en fait. Bon, 8 alors. 8. Oh, moi je remets 7. Un petit 9. Moi je mets un bon 9. Parce que, 9 ouais, c'est bien la conf que j'attends aussi. Le plus. Ouais. Ouh. Ok. Il y a beaucoup de jeux qui. Moi je sais qu'ils sont capables de me surprendre un peu, tu vois. Enfin, je veux dire, je suis fort client des effets d'annonce, tout ça et tout. Tu vois. Fort en plus, client. C'est la seule conf, je sais pas si on y va et ça me casse les couilles. Aïe, aïe, aïe. Aïe, parce que ce qu'on n'a pas dit, on a déjà parlé sur le stream, mais on va vous couvrir dira lundi le 3. Ce qu'on fait. Voilà, et on vous dira lundi. Si on dit tout maintenant, c'est lundi. Voilà, mais juste. C'est lundi que vous avez rappel. On a encore des choses à voir là, donc. Exact. Et on enchaîne avec Nintendo. Bah, Nintendo, c'est Smash Bros, quoi. Non, Metroid, gros. Non, mais Metroid, ça pue la merde. Mario Tennis. Pardon. Ah, quoi Mario Tennis. Smash Bros. Pokémon RPG. Non mais. Metroid. On parle pas des trucs à jouer. On parle des trucs qu'on a envie de nouveau de voir. Moi, je veux tout voir. Un nouveau Mario Kart. Ah bah, je suis la seule, mais je vois un nouveau Pikmin. Un nouveau, le nouveau Pokémon de 2019. Un nouveau, ah oui, bah, t'as dit Pikmin. Nouveau Pikmin, ouais. Ouais, voilà, c'est alors, ce que je voulais dire. Metroid, par contre, on s'en bat tous les couilles. Non. Metroid, tu penses que c'est la licence Nintendo que je déteste le plus? Et bah, et pourquoi? Parce que je trouve les jeux à chier. C'est pourtant, tout. C'est des jeux qui ont lancé tout. C'est Metroidvania, il y en a partout maintenant. Elle est pas assez forte dans Smash Bros, du coup, elle aime pas. Bon, en tout cas, bah, gros. Pourtant, elle est chissée. Elle s'amuse sans armure. Je rigole, ça va, c'est une blague. On n'a pas la méta. Samus sans armure. Samus sans Mimi Mathy sans jupe. Contre Jean-Luc Mélenchon. Du sang français. Ça serait trop bien d'avoir un truc comme ça, gros. Non, mais c'est vrai qu'ils ont énormément de licences qu'on attend. Après, il y a beaucoup moi, de choses qui ont été annoncées. Mais on attend juste de les voir. Choix. Smash Bros, Metroid. Oui, mais Smash Bros, on n'a rien vu. Un nouveau Star Fox. Je suis sûr qu'ils vont annoncer un vrai Star Fox. Ah, il paraît qu'ils vont annoncer un Star Fox jeu de bagnole. Pas du tout un Star Fox. Oh non, un Star Fox, bah, je regarde ça. Oui, mais ils avaient F-Zero et du coup, ils ont dit. Star Fox Domino Pizza. Non, ils sont vraiment. Apparemment, on parle là-dessus. Hein. Donc, préparez-vous. Juste des jeux pour la Switch. Du coup, le prochain, ce sera enfin Franco et ce sera un mec qui fera des sushis. Gros, la Switch, c'est déjà intéressant de l'acheter. Hein. Moi, c'est la console où j'ai le plus de jeux, la Switch. Hein. Franchement, de toute façon, je veux dire, la Switch, moi, tu vas juste faire comme tout le monde, tu vas l'acheter quand tu auras Smash Bros, c'est terminé. Non, mais en vrai, la Switch. Genre là, je suis à deux doigts de l'acheter. En vrai, la Switch. Je peux jouer à la Pokémon Quest et c'est franchement pas mal. Non, mais ça, c'est... non, mais en vrai, la Switch, c'est quand même bien parce que c'est une console c'est portable en fait. C'est juste ça, c'est une console de salon que tu peux. Ouais, il y a Bayonetta. Écoute, aussi, Zoulou, j'ai lutté pendant des mois. Pendant des mois, j'ai dit, je ne donnerai pas ma thune à Nintendo. Ah, moi, je sais, avant la fin de l'été, j'ai une Switch, je le sais. En fait, moi, le truc, c'est que je me dis, est-ce que je vais vraiment y jouer? Eh oui, parce que je vais jouer au nouveau Smash Bros. Tu vas jouer sur le stream. Et après, je vais aller sur mon émulateur, je vais jouer à Melee. Et je vais être en mode, c'est le meilleur jeu qui existe. Game! Regardez-moi ce passéiste, on dirait qu'il joue à Dota 1. Quoi. Mais c'est pas un passéiste, Melee est le meilleur Super Smash Bros. Il faut que tu vives avec ton temps, il faut que tu vives avec ta communauté. Et alors, et à l'Evo, c'est qui est le jeu qui fait le plus de vues? C'est Melee, c'est pas Brawl, mes couilles, c'est pas Street Fighter 5 Ultra Turbo. On est d'accord, mais est-ce que cette scène est intéressante? Il y a 6 joueurs qui sont forts et qui s'enculent tous les ans, c'est les mêmes. Non, alors pas c'est du sérieux, tout. Il y a toujours Mango, je sais pas quoi. Mais c'est parce que c'est les meilleurs joueurs. Mais oui. Mais en même temps, et ben Nadal, il y a zéro, surprise. Et comment ça, les zéro surprises de la Ligue des Champions? Il y a le Real en perma, Barcelone, mes couilles Liverpool et tout. Vous trouvez ça marrant d'avoir Mango Armada à chaque fin de? Mais c'est pas ça tout le temps, mes frères. Justement, c'est quand un mec qui est censé être le dieu. Max est complètement top. Sinon, ça veut dire que tu voudrais à la finale de Coupe du Monde avoir Koweït Saint-Marin. Et ben au moins, je serais surpris. Mais surpris de quoi? Et moi, tu sais, je suis toujours pour les mecs qui partent perdant. Ouais, mais la fiche est pas rêvée maintenant. Mais... T'as envie d'avoir au moins un des grands patrons en finale, quoi. Tu vois. Oui, le grand le trompa. Le trompa. Comme on dit. Bon, fort bien. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Un Fire Emblem qui arrive. Moi, j'aimerais bien une nouvelle licence. Ouais, il y a un Fire Emblem. Ouais. Ah, ouais, mais Nintendo. Fire Emblem, c'est bien parce que l'année dernière, ça n'arrivera pas. Nintendo, ils n'ont pas fait de nouvelle licence depuis Splatoon. Et avant Splatoon, il n'y avait rien eu pendant des dizaines d'années. Attends, il y avait quand même Sniper Clips. Je suis désolé. Arms, le jeu où tu découpes des. Arms, mais malheureusement, Arms, ah oui, Arms. Ça c'était marrant, mais c'était une fois, expérience un peu de jeu, tu vois. Mais c'était vois, une fois. Le problème, c'est que Arms, Splatoon, ils ont créé des trucs qui
Ah, évidemment, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire. Je m'en bats les couilles, ce n'est que mon avis. Les gars, Splatoon, c'est e-sport. C'est pas des gens aussi, c'est pas des personnages aussi charismatiques et marquants que des Mario, des Yoshi, etc. C'est pas une histoire autour d'un héros. Des Samus Aran, voilà. Et ben, c'est ça qui m'embête. Il n'y a pas une histoire autour d'un héros. Arrête. Je veux un nouveau jeu avec une histoire autour d'un héros. Sauf que ils veulent. C'est chiant. Bref. Bah, peut-être une histoire autour de Fukano. Après, là, bien, ils ont tellement de trucs annoncés que ça m'étonnerait qu'ils disent. Et en plus, on a un nouveau truc qui sort. Honnêtement, moi, ce que j'attends le plus comme jeu, je pense que c'est En vrai, le Pokémon. Non, le Pokémon, moi, je. Le Pokémon, go, let's go. Non, ça, c'est. Evoli, mon cul, non. Ça, c'est ça. Pokémon. Pokémon. C'est enfin le Pokémon auquel j'ai envie de jouer. Pokémon Tournament 3. Tu n'as pas compris. Mais c'est de la merde. Le Let's Go Pikachu. Oui. C'est un. Alors, apparemment, ce sera un remake de Pokémon Jaune. Bah oui, trop bien. Ah, tu fais partie de ces gens qui disent la première génération, c'est la meilleure. Bah oui, exactement. La première génération, c'est la meilleure. Du coup, voilà. Bah, on va pas se mentir que c'est quand même la meilleure. Merci. Ce qui est cool, c'est que ça reprend le gameplay. En fait, ça reprend le gameplay de Pokémon Go. C'est pas un jeu Pokémon Core. Bah oui, au moins tu lances le truc comme ça, tu te marres, tu essaies de les avoir. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai. T'as vu qu'ils vont sortir. Moi, tu lances la Pokéball. T'as la Pokéball. Une manette Pokéball. C'est incroyable, ce genre. Ce n'est jamais arrivé. C'est un joystick qui fait ça. Pour mais n'importe quoi. Mais Max, mais non, c'est vrai. Il est malade. C'est vrai, c'est vrai. Je sais que c'est ça. Mais merci, j'ai vu la news. Et, mais... et c'est seulement 50 balles la Pokéball. De où c'est ce que tout le monde attendait, quoi. Enfin, arrêtez un peu. Mais bien sûr que si. Non, mais toi, c'est Zee Yankee en même temps. Franchement, pour voir une 9e saison de Pokémon là en 2018, où ils vont encore avancer. Mais oui. Ils vont inventer le Pokémon chaise à repasser. Tu vas être en mode ils ont encore mélangé deux objets à la con. Ah bah c'est vrai que Rookool, qui est littéralement juste un pigeon, c'était vraiment original, quoi. Il est charismatique. Je suis content d'avoir de retour, enfin d'avoir de nouveau un Pokémon jaune. Machin et tout, tu vois, ça, il n'y a pas de problème. Juste le fait de capturer ces Pokémon, non plus en les combattant, mais juste en lançant la Pokémon, ah mais ça, à la pas. Pokémon c'est Go. C'est peut-être un combat, puis le lancer de Pokéball se fait comme ça. Mais ouais. Juste avoir enfin des beaux combats de non, Pokémon. Non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis des beaux combats de Pokémon. Non, après, peut-être qu'il y aura une scène sportive de combat. Il faut, bah, non, mais pour ça, il faut attendre celui de 2019. Ils ont mais oui, alors par contre, celui de 2019. Vidwam, que ça intéresse être un RPG. Tu crois qu'il sera plus beau que le Let's Go Pikachu? Pas forcément plus beau, mais moi j'attends l'histoire. Là j'attends un vrai jeu Pokémon. L'histoire. Non mais. Attends, on est en train de parler de Pokémon, ouais, c'est des mecs qui vont de ville en ville pour enculer le chef de la ville. L'histoire, je parle de multijoueur en ligne. Genre un truc Pokémon-like. Genre vraiment avec des instances, des trucs, un jeu de bâtard. Ouais, mais enfin, genre, un vrai jeu Pokémon. Écoute, j'aimerais beaucoup aussi, mais Nintendo et le Online. Le jeu tellement naze que vous pouvez jouer avec un Joy-Con. C'est ce que j'allais dire. Nintendo et le Online, c'est vraiment c'est un cauchemar. Quoi. Ils ne savent pas le faire. Donc, Vous êtes complètement malade. Hein. Il est tellement content d'avoir ses pixels. Genre le mec est vraiment anti-Pokémon. Oh, bah, c'est que mais du vous pixel, n'arrivez pas à vous imaginer là, devant votre télé, avec votre petite Pokéball en main, et faire. Ah, attends, ils ont pas encore vu la Pokéball. Tu le feras pendant 3 jours et puis après j'ai ça... pas de télé. T'es malade. Hein. Mais si, c'est comme. Oh la réalité. Tu peux jouer en coop. La réalité virtuelle sur par Pokémon. Par contre, cette coop, ça pue sa mère. Mais j'espère qu'il. S'il montre ça en coop, j'espère texture, qu'il cache des trucs franchement, mieux. Franchement, gros travail. Hein. C'est Frostbite 15 là. Vous êtes non, mais Pokémon, de toute façon, moi je peux pas. Vous avez pas d'âme. Après, en vrai, Pokémon, moi je suis. Ah, mais je dis ça, attention, je suis hypé, mais juste. Non, mais bon, jouer avec une Pokéball. Et en plus, elle s'allume. C'est un joystick, gros. Et elle parle. C'est trop bien, si ton Pokémon principal c'est Pikachu, et ben quand tu la poses la Pokéball et que tu la caresses, elle fait. Pika Pika. Mais non, je crois pas qu'il fait ça, Pikachu, il est comme ça. Non, c'est un Pokémon. Vous vous rendez pas compte. Ça pue la mort, putain. Non mais les meufs qui... Non bah... Gouzi gouzi. Mais ça il fait... Gouzi gouzi. Ouais donc là, au taf... Gouzi gouzi. Et tu peux les passer. Tiens toi Zou, j'ai un gros Yankee de Pokémon Go. Bah tu vas pouvoir passer tes Pokémon de Pokémon Go au jeu directement. Merci, je sais. Il sait mais ça pue la mort. Non, non, par contre, à mon avis, ça, ce sera pas un truc où genre tu les passes de Pokémon Go et tu les joues. C'est genre t'auras un petit parc et tu pourras être là en mode ça améliorera ses stats et tout. Non, mais attention, pour qu'on soit clair, parce que je vous sens venir à 1 milliard de kilomètres, j'ai jamais dit que j'avais pas joué. J'ai juste dit le système de jeter la Pokéball au lieu de faire un combat, c'est trop bien. Je doute. Attends, qui te dit qu'il faut pas faire de combat là? Ça, j'avoue que c'est pas ouf. Il faut sûrement leur péter la gueule si et quand si ils sont trop gros, tu lances. Ils ont pas montré de combat. Bah, très bien qu'il y a des combats. Il y a des combats là, gros. Ouais, c'est peut-être contre des dresseurs. Bah peut-être, bah on verra bien. Non mais gros, s'il faut pas combattre pour récupérer les Pokémon, c'est vraiment de la merde. Bah attends. Moi je pense qu'il faut les affaiblir et après quand tu fais Pokéball, bah tu dois réussir ton lancer. J'ai un doute, si c'est ça, c'est ok. Bah j'espère. Si c'est ça, c'est ok. Par contre, si c'est vraiment ta télé, ouais. Moi il y a un truc qui me fâche sur ça, c'est que du coup il y a une version Pikachu et une version Evoli. Et tout le monde va prendre la Pikachu. Ils pourront pas évoluer. Ils peuvent pas évoluer, c'est ça le problème. Evoli peut pas évoluer. Si Evoli peut pas évoluer, c'est de la merde. Qui aime Raichu?
Oui, non mais Pikachu, on s'en fout. Ouais, il a jamais. C'est chiant, genre ouais. dans la version jaune, il évoluait pas non plus. Après, ton Evoli, ton Pokéball, tu as un milliard dans la forêt. Ouais, mais du coup, il y a pas d'intérêt d'avoir Evoli. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que Pokémon, il aura charge et tu seras là. Énorme. Non, mais peut-être que si tu prends la version Evoli. Evoli évoluera en un Evoli spécial. Ouais, tu pourras peut-être choisir. Dans cette Evoli version. A évolué en Cyril Hanouna. Il s'appelle Evoli Nintendo, je sais pas, j'en sais rien. C'est un bien. Truc spécial. Hein. Bon, on a fait le point en tout cas sur ce petit tableau. Et puis on verra si on était loin de la réalité ou pas après les conférences. Pour le moment, est-ce que j'ai d'autres petits trucs à vous dire? Oui, mise à jour de Fortnite, les amis, 4.3. On ajoute les caddies de supermarché. Est-ce que vous avez pu tester? Je vais pas te mentir que ça sert. T'es un peu old parce que ça sert ça il y a deux jours. Ouais, grave old max. C'est vrai? Ah ouais, on a joué déjà hier. Eh ben je savais pas, bah raconte. Non, un peu. C'est sorti hier. Moi je connais pas. Bah caddie, tu te balades, tu peux mettre un pote dedans. Un qui pousse, un qui. Tu fais espace pour pousser le caddie, ça va un peu plus vite. En montée ça va pas plus vite, en descente tu peux monter sur le caddie et il roule, il descend. Ah, c'est trop bien. C'est marrant mais c'est pas. C'est marrant en 3 minutes quoi. Non mais ça si tu vas plus vite techniquement, si tu gères bien tu vas plus vite qu'au courant. Mais c'est pas voilà, c'est ça va pas changer de gameplay genre tu oh là là. Marrant, quoi. Par contre le même vidéo qui est sorti il y a 43 minutes. Oh, top 1 avec des chariots. Énorme. Non mais en vrai ah ça fait du oh, bien. Oh, oh les bulles. Oh là là. Et on applaudit notre nouvelle recrue Valouze. Merci Valouze pour les pubs. Ah, c'est Valouze. C'est Valouze qui nous a rejoint sur le stream et qui s'occupe de notre chaîne YouTube. Merci, je peux vous dire que ça va charbonner les gars. En fait on lui a pas dit mets des pubs. Il a fait ça de son initiative. Il s'est dit, il ne touche pas de pourcentage. Hein. Donc, là, il s'est dit, ok, je veux une augmentation. Là, il s'est juste dit, à Eclipsia, on était en fin de vie, donc on mettait une pub par minute, mais je pense qu'on va le calmer. Et nous vous inquiétez pas. Attends, il y en a combien? Une, attends, deux, elle dure 1h47, c'est acceptable. 5, 6, 7, 8, 9, 12. 10. Ouais, t'en as une toutes les quarts d'heure. Quoi. En vrai, ça va. En vrai, ça va, mais en sur vrai, la vidéo, ça fait moche. Oui, ouais, ça aggro sur la timeline, mais sinon. Faut pas oublier que c'est une vidéo d'1h47. En fait, le seul truc sur les caddies qui est sûrement un bug, qui n'a peut-être pas été corrigé, je ne sais pas, mais hier, en gros, si tu tombes d'un endroit très haut avec le caddie, tu ne prends pas de dégâts. C'est quoi ça? Du coup, c'est un peu fort. Excellent. Ça, l'émission Bébé Fraté, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, j'ai rien réagi à l'émission Bébé Fraté. En on vrai, en a parlé hier bien, dans la cape. Elles sont trop bien ces vignettes à Valouze. Bah, ouais, c'est en base, quoi. C'est Valouze, quoi. C'est le Valouze, 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 Valouze. En plus, c'est un tourangeau maintenant. Tu le connais, Valouze, ou pas? Non, mais je sais qu'il est tourangeau maintenant. Moi, en fait, je le connaissais. Je l'ai connu en regardant ses vlogs de bouffe parce que je suis un gros dalleux et voir les mecs. Fait, ça me donne faim et ensuite je commande. J'ai connu comme ça. Il habitait Paris puis s'est dit je vais m'éloigner et comme ça je vais trouver du travail à Paris. Non, mais du coup il est tout en jeu. Non, en vrai. Et est-ce qu'il peut décoller avec son jetpack? Ah bah non. Non, on peut pas décoller avec le jetpack. On peut Par contre, pas. Ça a l'air vraiment naze le caddie. Hein. Si c'est marrant mais. Oh, mais en fait est-ce que le temps que tu gagnes vaut le coup de faire un détour pour chercher un caddie? Non mais il y en a dans les villes, dans les supermarchés. Et tout, en vrai c'est vraiment trop rigolo quoi. Moi, je trouve ça vraiment trop marrant. En fait, je trouve ça. Fun to watch. C'est tellement bon esprit. Tu vois, tout le monde a fait le con avec un caddie. C'est tellement. Je sais, je m'emballe pour rien, mais calmez. Voilà, c'est juste. Je trouve qu'ils ont tout compris, quoi. C'est exactement le bon esprit. Les gens ont envie de s'amuser et dans ce jeu, tu t'amuses. Si tu tombes avec le caddie, ça t'amortit les dégâts de chute ou tu meurs? Justement, tout à l'heure, on a testé. Enfin, hier, on a testé. Et on prend zéro dégâts. Et on prend zéro dégâts, mais je pense que c'est un bug, c'est beaucoup trop fort, du coup. Ouais. Parce que du coup, tu montes, tu fais escalier. Tu montes sur un mode, il pète les escaliers, je m'en bats les couilles. Bah ouais. Non, c'est trop fort. Après, bon, le conducteur peut pas tirer, donc ouais, il faut faire gaffe, quoi. Et il y a aussi du coup des champignons qui sont comme les pommes et qui donnent du shield, donc du coup c'est encore plus fort. Tu trouves un canton? C'est trop bien. Hier j'ai joué, je trouve un canton, oui, un canard. C'est une quête, ça. C'est une quête, okay, ça. Ouais. C'est une quête qui date de. C'est dans les défis. C'est une quête. Mais je savais pas. Au début, je vois ça. D'accord. Trop bien, j'ouvre. Je m'attendais à avoir une arme légendaire dedans et tout. Et là, ça disparaît. Et je fais. Ah, les canards. Ouais, les canards. Non, les cantons, ouais. Ça a été patch ce matin. Ok. Par contre, du coup, si des champions qui donnent du shield, ça va être très drôle sur des streams de Zankyo qui vont être là. Ouais, gros, je prends un max de champi. Non, mais en gros, le truc, c'est que les pommes, c'était déjà fort parce que ça pouvait te remettre à 100 HP alors que t'étais à 75. Donc voilà. Mais les champis, c'est ultra fort parce que si t'es à 100 HP que tu trouves un champi ou deux champis. Enfin, deux champis par exemple, ça te protège d'un tir de snipe bleu, tu vois. Donc c'est ultra fumé. Ouais, mais... Donc et il y a des spots sûrement comme les pommes, parce que les pommes ne se trouvent pas partout. Il y a certains spots de pommes. Il y a sûrement certains spots de champis. Mais c'est pas. Oh là. Mais tu vois là. Ah oui, il faut. Bah, ils prennent pas de dégâts. Mais ça a été patch apparemment selon le chat. Donc. D'accord. Ça va être rigolo. J'aime bien. Bref, voilà. Mais rien qui nique la méta ou autre. Hein, dans tous les sens. Voilà.
Ok, c'est bon, marrant, bien, ouais. Bien joué à eux du coup. Un petit trailer, je suis désolé, je ne te l'ai pas mis dans le truc et je vois l'heure, je me dis qu'on le fera demain. On le fera demain le trailer. Vas-y, allez, next. On va parler à qui je donne la parole? Bah, on a parlé pas mal de Pokémon Quest, et moi je voudrais parler de Pokémon Quest. Tu nous en parles? Ouais, bah, si tu veux. Allez, à toi la parole. Jingle. C'est parti. C'est salut quoi Pokémon tous. Quest Pokémon Quest, c'est un jeu mobile. Donc, on se souvient de Magikarp Jump, qui était le dernier jeu mobile de Pokémon qui est sorti l'année dernière. Un jeu mobile, j'ai lu vite fait et en fait, j'ai lu que c'était un free-to-play sur Switch. C'est ça, en fait, c'est un free-to-play, mais c'est vraiment un jeu mobile qui va sortir fin juin, je crois, sur Android. Ah, ok. Et qui, pour l'instant, est exclu Switch pendant quelques semaines, du coup. Et je ne sais pas du tout si ça va sortir sur Elle level up avant, pour tous ces baisers. J'ai aucune idée si ça va être Apple aussi ou pas, tu vois. Bah oui. Nintendo, ils ont sorti Mario en priorité sur iOS, donc à mon avis, ils vont pas... J'ai pas vu d'infos sur ça. Et en fait, c'est typiquement un jeu mobile, c'est-à-dire que c'est très... très Pokémon, mais en même temps pas trop. J'ai mis ma vidéo parce que j'ai pas cherché d'image. Le jeu, c'est soit tu trouves que c'est horrible, soit tu coupes le son Rizzo. Soit tu trouves que c'est OK, enfin que c'est un style, soit tu trouves que c'est horrible. En gros, c'est très spécial. C'est carré. Est-ce que tu te souviens des modes? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu te souviens du mode Pokémon sur Minecraft à l'époque? C'est Minecraft vu d'en haut, quoi. Ouais, okay. Et bah c'est. C'est Animal Crossing, c'est un peu, je trouve. C'est ça, et en gros, c'est un style. Je trouve que ça ressemble un petit peu à Donjon Mystère, dans le sens où tu te fais une. Tu vois, tu te fais ta petite équipe et tu explores des donjons, c'est un peu le même principe. Est-ce que dans Donjon Mystère, on jouait directement avec les Pokémon et pas avec des dresseurs? C'est ça. En fait, il y a une histoire autour de ça, parce que dans Donjon Mystère, normalement, t'es un humain, tu te fais transformer en Pokémon, etc. Ça va, aussi, le jeu est sorti il y a 15 ans. Vas-y, lâche-toi, dis que les... Et en fait, c'est tout simplement, t'as une base. T'as une base dans laquelle t'as une petite marmite. Tu peux créer de la nourriture qui attire des Pokémon au bout d'un certain nombre de donjons. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas mettre des aliments ensemble, des aliments que tu lootes dans les donjons. Donc ça, c'est un donjon, par exemple. Ça me fait penser, ok. Et ces aliments-là mis ensemble. J'ai l'impression de connaître la meuf aussi. Ouais, c'est. Salut. Ça me fait penser. Ça te fait penser à Brawl Stars. Ah bon? Ah bon? Non. Bah, je sais. Enfin, montre-moi Brawl Stars, ce que c'est. Non, mais désolé, je te coupe, mais c'est juste. C'était le jeu mobile des créateurs de. Le jeu mobile qui a flopé. C'est super simple. Il a pas flopé, il est toujours pas sorti en fait. Bah, du coup, c'est un peu un flop. Ça fait 3 ans qu'il est pas sorti le jeu. Ils attendent un an. Parce que eux, ils gèrent le timing vu qu'ils gagnent énormément d'argent. Ils sont en mode, on va le sortir avant ou non. En vrai, ça fait penser beaucoup. Ça fait un petit peu rappeler Brawl Stars, mais de loin. Alors, c'est ça. Vas-y, continue ton explication. Tu peux mettre pause, Rizzo, par contre, parce que ça va très vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. En gros, t'as un système. Là, par exemple, le donjon a été gagné. Oh. Et qu'est-ce que c'est? Et en gros, à droite, t'as ce que tu as trouvé dans le donjon. Donc, c'est des ingrédients qui vont te permettre de faire des marmites. D'accord. Et très bon, très bel arrêt sur image, Rizzo. Merci beaucoup. Et en fait, avec ces marmites, ça va te permettre d'attirer des Pokémon à toi. Il n'y a pas de système de capture. C'est des Pokémon qui viennent te rendre visite. D'accord. Et tu peux les intégrer dans ton équipe. Ils arrivent avec un niveau et des capacités. Okay. Et c'est comme ça, tu peux les entraîner en les emmenant dans des donjons, ils gagnent de l'XP, etc. Ou les entraîner en sacrifiant d'autres Pokémon pour mélanger leur XP. En vrai, pour ceux qui connaissent, c'est Summoner's War. C'est la même chose. C'est genre. Alors, Moi, j'ai jamais joué à Summoner's War. Quel est le but du jeu? En fait, le but, c'est juste, tu fais des donjons et tu crées ton équipe de Pokémon et tu les fais XP. C'est un peu que c'est juste ça, tout simplement. En gros, c'est le même principe que Summoner's War, mais c'est il y a une couche Pokémon et le système d'invocation est pas le même parce qu'apparemment, tu mets des. On peut pas payer pour avoir des Pokémon? Pas pour avoir des. Alors, mais tu peux payer des starter packs. Pour avoir de la boucle. En gros, t'as 3 packs. pack giga en clic. T'as 3 packs et t'as un pack avec les 3 packs. Et ça fait giga play. et en gros, tu gagnes. Dans chaque pack, t'as un Pokémon spécial. Donc, ça a Loclas, Ronflex, Nidoran et Nidorino. Donc, t'as Nidoran femelle et mâle, pardon. T'as Nidoran femelle et mâle dans un pack, Ronflex dans un autre et Loclas dans le troisième. Okay. Et chacun a des trucs en plus. Donc, t'auras une marmite en plus pour faire plusieurs. Truc là c'est la map par exemple. Donc en gros tu achètes des packs de bouffe qui vont attirer des Pokémon que tu pourras mettre dans ton équipe. En gros, craftes. Voilà ça. Tu craftes de la nourriture avec les éléments que tu as non, pas dans les packs, dans les donjons. Oui, dans les donjons. Les packs c'est des trucs que tu achètes avec du vrai argent et qui t'aident. Oui. C'est-à-dire que tu as une marmite en plus donc tu peux faire deux mais en même temps, etc. Parce qu'en fait le temps de fabrication de la nourriture ça se compte c'est en termes de donjons. Non, c'est en temps de donjons. C'est-à-dire que par exemple, t'as certains aliments, tu les mélanges, ça fera deux donjons, certains autres, ça fera quatre, etc. Grande question, est-ce que tu as un système d'énergie? Dans le sens. Oui,
comme tu peux le voir en haut à droite. Et c'est pour ça que j'appelle ça un jeu tout à fait mobile. C'est que le truc est chiant, c'est que tu as 5 énergies, tu vois, en haut à droite, en jaune. Quand tu n'as plus d'énergie, tu peux plus faire. Quand tu n'as plus d'énergie, tu dois attendre 30 minutes que ton énergie se remplisse. Ou alors tu payes pour manger une barre énergétique et pouvoir jouer. Non, mais en vrai, c'est. En vrai, il y a un mec qui. C'est vraiment typiquement le jeu mobile de base. Oh là là! Ouais, j'ai eu un sabelette! J'étais très contente. En gros, en vrai, ça ressemble. Voilà, donc ça, c'est la marmite. T'es content, t'as fait tes donjons. Hop, attention, petite animation. Et ça t'amène un animal. Enfin, un Pokémon plutôt. Voilà. Et c'est. Non, mais en vrai, ça ressemble. Enfin, toi, t'as jamais joué à Summer's War, mais en ce moment, il y a une pléthore de ce genre de jeu. C'est. Si tu dois faire une équipe de monstres, bah ça correspond parfait à Pokémon. Là, le système d'invocation sur Summoner's War, c'est tu cliques, ça fait un, ça invoque un truc. Mystique, machin, sauf là, que c'est là, c'est, une marmite, c'est, voilà, c'est une marmite qui attire un Pokémon, mais au final, c'est le même truc. Et t'as des donjons, et tu farmes les donjons, et tu peux même, je suppose, mettre en automatique les mecs combattent, et t'as 3 skills par mec. En fait, c'est ça, c'est exactement la même chose. T'as des attaques, tes Pokémon ont des attaques cool, quand tu les invoques. C'est des attaques qui sont fixes, donc tu en as une ou deux. J'ai pas vu plus que deux pour l'instant, je sais pas si c'est possible. Tu peux les booster avec des runes. Pareil, tu as un système de runes où quand tu fais XP ton Pokémon, ça débloque un truc de puissance ou d'HP, tu mets tes runes. Et puis je suppose c'est vraiment si par exemple tu as 3 salamèches, tu peux les bouffer ensemble ou je sais pas quoi pour qu'ils deviennent plus forts. Oui, ah voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pour changer tes attaques aussi. Vu que pas très innovant, du coup je suis un peu. Je vais être chiant, déçu des graphismes. C'est-à-dire que oui, c'est pas très beau, du coup, je me dis, si ça apportait quelque chose de nouveau, ça m'aurait pas gêné. Sauf que comme ça apporte pas grand-chose de nouveau, quitte à faire un Summoner's War dans le monde de Pokémon, ça m'aurait intéressé si c'était stylé, si j'avais des Pokémon trop classe et tout, tu vois, si j'étais fier d'avoir une belle équipe de Pokémon. Sauf que là, comme c'est trois carrés... Moi, je suis fier d'avoir mon petit sabelette carré. Hein. Genre, en fait, je pense que c'est pour les enfants. Je trouve pas que ce soit... moche. En fait, je trouve que le jeu est beau. J'ai pas dit Pokémon est pour les enfants. J'ai dit que ce design, il est fait pour appâter les enfants. C'est tout ce que je dis. C'est vraiment, c'est du Nintendo. C'est-à-dire que tu vois les Stars du Valais, les Pokémon, les petits personnages tout ronds, les trucs comme ça. Je fais vraiment pas partie du genre de connard à dire que Pokémon c'est pour les enfants. Mais moi, je trouve ça cool dans le sens où, je sais pas. En fait, le graphisme cubique, je trouve que c'est un parti pris et j'aime bien. Ouais, c'est un truc, je trouve ça beau. Les couleurs sont belles, le jeu est mignon, la musique est cool. C'est la musique qui ressemble aux musiques de Pokémon. Mais un petit peu plus. Moi, j'ai juste peur d'un truc. Genre, c'est un peu retour 8 bits. J'ai juste peur d'un truc. Qui va bien avec le truc carré, du coup. Enfin, tu vois, je trouve que c'est une ambiance générale et que c'est plutôt réussi. Après, clairement, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Il n'y a pas genre, de PVP. Visuellement. Quoi. Bon, en tout cas, c'est gratos. Pas pour l'instant, en tout cas. Si j'avais une Switch, c'est gratuit. C'est gratuit et il n'y a pas besoin de. Alors, tu peux faire le Giga Yankee, comme Fukano ici présent. Ah ouais? Et oui. Et acheter le pack. Alors, le pack qui comprend les 3 packs coûte 30 balles. Pardon. Et t'as, dans ça, non, 30 balles, c'est pas cher du tout. C'est, en fait, c'est le truc le plus haut que tu puisses acheter. C'est le truc le plus cher qui existe. Dans le Summoner's War, le pack le plus cher, il coûte 100 balles. Hein, Oui, t'as un système de décoration. Il y a 3 trucs dedans. T'as un système de décoration de table. Non, il y a d'autres trucs que j'ai pas cités. Je veux dire, le truc à 100 balles, Summoner's War, c'est une pluie de loot qui s'abat sur ta gueule. Mais du coup, t'as des systèmes d'objets de décoration qui te permettent d'augmenter tes stats. C'est-à-dire que, par exemple, dans un pack, t'auras une statue de Dracaufeu. Et ça fait que tous les aliments qui te permettent d'appâter les Pokémon feu ou les aliments rouges, tu les drops deux fois plus, etc. etc. Donc c'est du free to fast. C'est du pay to fast, pardon. Ouais. Mais techniquement, c'est du free to play. Ok. Oui, c'est ça me va. Alors, c'est un jeu mobile. Et d'ailleurs, il y a un jeu. Ça fait marrer les gens. Il y a un jeu qui est vraiment une copie de Summer's War, mais quand je dis une copie, c'est vraiment la même chose. Il y en a plein. Qui sort aujourd'hui, mais qui est fait par Ubisoft. Et qui s'appelle. Dans quel univers ? S'appelle Might Magic Golem, je sais pas quoi, mes couilles. Qui sort le 31, on est le 31 je crois, et c'est vraiment un Summoner's War. Et c'est stylé ou... Si t'aimes bien Summoner's War et que t'as envie de commencer un jeu à la Summoner's War, mais parce que là t'arrives sur Summoner's War pour attraper les meilleurs. C'est vous que je cherche des jeux comme ça, mais à chaque fois, soit le design me plaît pas, soit les mécaniques sont trop pay to win. Tu sais, je comprends que ce soit pas pay to win, pay to fast. Might and Magic, Elemental Guardians. En gros, là, si je lâche pas 40 balles, j'ai bien compris que j'allais me faire chier. T'es chiant, tu grattes trop. Tu vois. Après, là, je t'avoue, moi le jeu, j'y joue depuis hier matin, H24, et j'ai pas eu besoin de mettre de thunes. T'es pas en train de jouer là. Oui, mais non, mais quand je peux pas. Mais, non, mais parce que t'inquiète pas, au moment où on est allé en émission, je me suis bien assuré d'avoir zéro énergie pour que ça stack pendant ce temps. Hein. Pas bête la guêpe. Excellent. Mais ouais. Bref, je me suis pas ennuyé encore. Et j'ai pas. Enfin, je trouve que c'est. Mais c'est le début, c'est normal. Bien sûr. Attends, t'es pas bien. Hein. Bah non, il y a plein de jeux que je commence et au bout d'un moment, dès que t'as plus d'énergie, tu te fais chier. En général, ce genre de jeu, moi, j'ai tendance à me lasser en une semaine. Pendant 7 jours, ça m'amuse. Moi, j'ai joué 8 mois à Fire Emblem qui a le même système d'énergie, donc on peut y aller. J'attends avec impatience le prochain Dragon Ball sur mobile, Dragon Ball Legend, qui est déjà disponible sur Android pour ceux qui ont un téléphone Android. Sur iOS, ça sort le 14 juin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'attends de voir, ça a l'air vraiment stylé visuellement. Le combat, machin. Ouais, tu collectionnes des cartes et tu te fight avec des mecs, sauf que ça demande un petit peu de skill, donc c'est sympa. Fuka a annoncé rapidement sur le chat en disant
bon, 30€, ça va. C'est vu la quantité de, oh, y a énormément de, trucs. De ce qu'ils te fournissent dans le pack, c'est OK, contrairement à d'autres jeux. Sur mobile ou là il mais faut après, cracher ça reste ça reste une somme mais pareil par oui, rapport aux autres jeux free to play qui... c'est pas abusé crois-moi que ce meilleur joueur il se rince gros. Oh, le best of the DreamHack le best of the DreamHack est sorti, ça c'est sur la chaîne Le Stream tout court. Oh. Et oui c'est oh, ça. Bah si c'est un best of normalement c'est sur la chaîne Le Stream tout court. Oui. Sinon, c'est Le Stream tout court, voilà, c'est ça. Alors tapez pas Le Stream tout court. Merci Max. Évidemment. On peut passer aux vidéos de Xari si on en a quelques-unes. C'est parti, jingle. Aïe, aïe, aïe. Fais pas ça, bâtard. Ah ben non. Non, mais faut qu'on passe un extrait. L'autre. Là-haut. Voilà. J'adore. Alors juste avant de faire une vidéo, je sais qu'il est 55 donc on n'aura pas le temps d'en parler, mais j'en parlerai du coup demain puisque aujourd'hui c'était la sortie, enfin c'était l'annonce du nouveau Xiaomi Mi 8 qui est un peu le iPhone killer. Ah ouais non, enfin en gros, je vous en parlerai demain, mais voilà, c'est sorti, c'est plutôt good dans l'ensemble, hein, voilà, en gros c'est. Ils ont annoncé à quelle heure? Ce matin, quoi. Ah, enfin, heure chinoise, donc c'est le matin pour nous, donc c'était, ça devait être à 9h du mat. Enfin, okay. Bref, voilà, donc j'en parlerai plus en détail demain, mais pour ceux qui voudraient un iPhone 10 qui tourne sur Android, c'est exactement le même téléphone, sauf qu'il coûte 500 balles, quoi. Donc voilà. Bref, on en reparlera demain, et du coup, on va passer deux, trois petites vidéos. Allez. On va passer tout de suite Zulu, quand il était petit, c'est parti. Quoi et qu'il était dans la cour. Ah, il, gros, il danse super bien. Et il est chaud. Alors que Zulu, il sait pas faire ça. Attends. Putain, ça m'a déclipé un peu là. Et qu'est-ce qu'elle fait derrière? C'est pas danser. Il met l'ambiance. Oh là là. Oh là, il nettoie des petits culs là comme ça. Il va plaire Zulu, hein. Il arrive au marché. Mais c'est incroyable comment à cet âge-là tu peux avoir ce genre de mimique et tout. C'est juste qu'il a dû voir. Oui, il copie, tu vois, mais il le fait tellement bien. Ouais. Tu sais, souvent les enfants. C'est très précis. Ils font pas. Pour donner l'exemple typique quand tu joues à Just Dance ou ce genre de truc, en gros, les enfants, quand tu leur demandes de tendre le bras, tu vois, quand tu fais de la danse, tu vas faire ça, ils vont faire comme ça, tu vois. Ça alors qu'en fait, tu fais ça, ça change tout. Bah lui, il le fait vraiment. Après, ça se trouve, il l'a fait 25 000 fois aussi. Hein. Ah oui, il se trouve juste pécho de la meuf. Après, il a peut-être 35 ans et il a une maladie. Donc. Ça claque des boules à 4 ans selon Lutti. Qu'il est con. Allez, on va passer directement à un nouveau type de surf qui a été sorti par Rip Curl. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, vous connaissez la marque. Rip Curl. Yeah, bah, c'est parti. C'est une table en fait. Beau gars. Le boss, Rip Curl. Les joueurs sont incroyables quoi. Il s'est dit, bah, l'eau a l'air sale. Ah, l'eau a l'air sale avec mes nouvelles lunettes. Je vois maintenant les couleurs. On dirait un plage de Dunkerque. Quoi. Mes nouvelles glasses. Voilà. Et allez, on termine par une petite vidéo marrante. Un il mec... aurait pu se casser la gueule à la fin, ce connard, quand même, non, pour faire buzzer sa vidéo. C'est un boss, comment boss. Il veut vendre bah, déjà, tables, ça buzz. Le mec, il surfe sur une table. Gros. T'es en plus, il a plus jongler avec des tronçonneuses. Un mec qui avait vous savez, un déchiqueteur de feuilles, un broyeur de feuilles. Tu peux mettre le début de la vidéo. Et il s'est dit, tiens, en gros, comment ça marche? Je sais pas exactement comment ça marche, mais en gros, vous avez des petites espèces de petits trous qui aspirent la feuille. Vous voyez, elle tourne, elle aspire la feuille et ça détruit le truc. Donc il va vous montrer la vitesse normale. Donc il fait ça, hop, les roues aspirent la feuille est détruite. Vas-y, tu peux mettre à 80% de la vidéo. Donc il se dit, vas-y, je vais modifier la vitesse des roues, tu peux avancer encore, hein, vraiment. Parce qu'on s'en fout de ce qu'il fait, en plus, il parle. Et il la booste, il la bride. Donc il la booste, et là les trucs qui aspirent la feuille vont vraiment très vite quoi. Oh et il est en mode. C'est grave. Ouais, c'est sécurité, quoi. Et il est trop marrant, il est trop content de lui. Mec, c'est trop marrant. Mais ça fait peur quand même. Bref, tu mets tes doigts, c'est terminé. Il est en mode. Oh my god. Voilà, jusque. March fast, dusty. En fait, tu te dis ce genre de truc, c'est fait, ça va doucement, c'est normal et tout. Et en fait, tu te dis pas que juste le ça simple, pourrait aller vite. La simple changement de la vitesse de rotation du truc fait que bah si ça se peut. Et en fait, bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un système de sécurité. Si jamais tu commences à mettre un truc et puis qu'au dernier moment tu dis non,
tu peux le retirer encore. Ça, c'est, ouais. C'est déjà vu dans les films. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez rapide quand même. Ça peut aller vite. Et le best-of de la team qui a déjà 3900 vues, 800 vues, je vois pas. Je suis 560. Bon, ça va mettre un petit peu de temps à faire des vues parce que cette chaîne, elle est tellement pas alimentée. Mais ça arrive. C'est en cours, les gars. À partir de maintenant, ça va s'alimenter. Mais du coup, comme on l'a un peu délaissé, bah forcément, YouTube vous l'a même moins soumis. Oh là là, Zulu qui drague. Mais c'est Trini. Avec collègues c'est Trini. En plus. Mais c'est Trini. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Avec les collègues. Quel cœur. Comment ça, c'est Trini, Zulu? Ça veut dire que si c'était pas Trini, c'était possible? Mais ferme-la. Dis-nous tout, Zulu. Pourquoi tu la trouves pas belle, c'est Trini? Pourquoi elle est pas Trini? Putain, on dirait ma meuf, tu sais, genre. Regardez, j'ai rien, waouh! Oh, oh le non. Démon. Ah, je pensais que c'était l'action, oui. Il est trop fort. Oh le démon! Au diable! Au diable, cette souris! C'est pas mal, est-ce qu'on aurait pas dû rester plus en hauteur? Ouais, je pense. Honnêtement, s'ils avaient suivi mes conseils, mes advice. Mais du coup, comme ils ont pris le propos, ils avaient. Bref, allez check ça, et puis on parle du MI6 demain, du MI8, pardon. D'ailleurs, le MI8, juste pour info, c'est le MI7 en fait. Jusque c'est les 8 ans de la marque, du coup ils ont fait, allez hop, MI8, comme l'iPhone. Comme l'iPhone, ils ont sauté le 9. Donc en gros, moi j'ai le MI6, donc ceux qui ont le MI6, le MI8 c'est la suite logique. Voilà, du tout. Moi je veux le Explorer. Explorer. Bref, sur ce, j'en ai terminé. Tu peux mettre cette pour finir. Si tu fais la conclusion. Ah ouais. Non, c'est toi qui fais la conclusion. C'est moi qui fais. Eh ben, c'est la fin du récap, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur le stream. Et ça continue, puisque dans quelques instants, il y a l'entraînement de la team. Nous, on se retrouve. Non, il y a un jeu avant. Il y a hors-jeu dans quelques instants, évidemment, juste ici. Excusez-moi. Demain, nous, on se retrouve à partir de... Que je dise pas de bêtises. 15h, je crois. 15h, on fera sans doute du The Crew 2, puisqu'il y a la bêta qui est disponible. Il y a 13h, d'abord. Il y a... Je fais PUBG avec Nico, normalement. PUBG, pour la dernière session de pub sur console. Ensuite, c'est ça. Du coup, ça. Et le Deathmatch Quiz. Ouais, ensuite on fera du The Crew, ensuite on aura le Deathmatch Quiz, puis le récap. Deathmatch et la spécial, musique, évidemment. Et la musique, attention. Est-ce qu'on donne les invités de la musique? Oui, on les donne. Il y aura... D'un côté, Angers. Femelle de Zulu. Et de l'autre côté, Zulu. Sérieux? C'est la grandeur de Zul. Tu l'as jamais fait? Je viens pour récupérer la coupe, moi. On va voir si t'es un boss. Très, très bien. Bref, rendez-vous vendredi pour voir tout ça. Pour le moment, c'est la fin de ce récap. Bisous à tous. Restez sur le stream.fr. Ciao! Au revoir.